Mais on l'a, on salut l'a. À toutes et à tous et bienvenue pour le grand récap. Incroyable, évidemment, grand récap qui a de nom surtout le studio, hein, parce que on a un peu plus de place et on a surtout un peu plus de monde évidemment autour de ce plateau, alors que j'ai la chance quelle joie inouïe d'avoir un co-animateur. Ah, salut. Ah, je regarde un peu là, c'est de plus en plus Bozo le clown là. Il y a un petit truc hein. Ouais, c'est terrible, mais ouais, non, ça va, tranquille. Je suis un peu petit, mais tranquille. Je fais la même taille que toi là, regarde. Oui, moi. Enfin, les historiens diront ça, mais. voilà. Les hommes mentent pas les chiffres, comme dirait Jiraya. Exactement. C'est tout ce qui nous intéresse. Alors, justement, on va faire évidemment un petit tour de plateau, puisqu'on est avec Nanix ce soir. Comment ça va ? Ça va très très bien. On va parler de football avec toi. Un petit peu, il s'est passé des choses intéressantes quand même. Puis on a vécu le match avec l'ami commentateur émérite Jiraya, formidable. C'est vrai qu'on a vécu un match exceptionnel, on en parlera tout à l'heure évidemment. On a vibré. Hein. Ken a changé de mode, il était en mode jeu vidéo pendant un peu plus de 5 jours d'un simple pivot de casquette, de béret plutôt. Je suis devenu breakdancer. Il devient breakdancer sur le gap. Yeah. Ça va Ken ? Ah ça va, ça va faire du bien de parler d'autre chose que de jeux vidéo, là JPP en vrai. Vraiment. On vit quand même dans un monde où il y a un nouveau DLC pour Hyrule Warriors, donc je sais pas si on va pouvoir s'empêcher d'en parler quoi. Ah j'avoue, je pense que j'ai immédiatement mis ça dans ma ligne de préparation. C'est assez fou. Ted qui a remporté un prix de court-métrage et dont on va parler aujourd'hui. Ah bravo. Félicitations, bravo mec. Merci à tous, merci. Bravo, bravo. Et pour être visionné, vous allez dire c'est de la merde. Ah, on va le regarder et on va te dire ce qu'on en pense. Et c'est de la chier, on va le juger. Ça va être énorme. Il regrette déjà d'être avec nous, quel plaisir. Jumpé, comment ça va ? Bah ça va aussi, écoute. Quel plaisir, le bête sonore qui est parti, je revis. Ah. Ça va, Jumpé ? Ça va. Quel plaisir, la barbe revient. La barbe ne part plus maintenant. J'apprends petit à petit, la barbe ne part plus. C'est bon, bien. Petit truc dont tout le monde se fout, mais je vous le dis, j'ai une dent qui est un peu pointue dans le fond de ma glotte, dans le fond de mon. Alors, si t'as une dent au niveau de la glotte, il y a vraiment un souci. Ça te détruit la joue. Elle n'est pas là, toi, je pense. Et du coup, elle est en train de me cisailler l'intérieur de la glotte depuis aujourd'hui. Mais comment ça, une dent pointue ? C'est une. Je sais pas. T'as un début d'aft et elle vient taper dedans, quoi. Je suis en train de me cisailler l'intérieur. Et pourquoi cette info ? Bon, je vous le dis, voilà. Tu me demandes comment ça va, je te raconte. Tu souffres un peu, tu parleras peut-être moins. Non, ça va. Dommage. Je fais ça de temps en temps. Sunday, comment ça va ? Le naturel de Jumpy, ça me termine. Moi, ça va. Écoute, j'ai l'impression d'être en émission déjà depuis une demi-heure, puisqu'on a fait le before. C'est vrai, merci pour ce before. Dans le before. C'est bien. Je ne pas battu pour le faire, hein, je t'avoue. Non, effectivement. Comment ça, il y avait le before ? Écoute, on a tenté des choses, on s'est baladé, on a fait de la radio, on a discuté avec tout le monde, on a eu un petit peu tout le monde qui est venu discuter, c'était sympa, voilà. Vous avez découvert un petit peu les coulisses, des gens qui râlent, des gens qui bossent, des gens qui glandent, bref, le stream quoi. On a beaucoup entendu, on n'a pas le budget, mais si on n'a jamais le budget. Ah, j'ai râlé sur internet, moi écoute, tout arrive. Qu'est-ce qui... Regardez, Oh là là, la touche espace sur son clavier. Qu'est-ce qui se passe, Jiraya ? Ah, tu nettoies le... Je vais répondre. L'émission a commencé. Je vais répondre. D'accord, excuse-moi. Une petite dinguerie sur le clavier, mais tout va bien. Très heureux d'être là aujourd'hui. Mais salut, mec. Aujourd'hui, un quiz un petit peu spécial, puisqu'on n'a pas eu de quiz hier, puisqu'il n'y a pas eu de récap, simplement. Vrai. Un quiz par équipe que je me suis permis de confectionner avant ce début d'émission. Xari qui prendra ma place ici après et qui fera très certainement gagner son équipe à lui tout seul. Mais bon, ça, on le verra tout à l'heure. Comme d'hab. Régaler bien sûr. Et écoutez, je vous propose de commencer d'ores et déjà évidemment ce grand récap par faire un petit tour de ceux qui ont vécu peut-être autre chose que le 3 pendant ces 5 derniers jours. Alors week-end compris, il y en a qui ont eu cette forcément chance. Il y en a qui ont eu cette chance, ils sont peu nombreux je pense, mais on va quand même la tenter le week-end. Le grand week-end peut-être pourrait-on l'appeler. Bon, pour ma part évidemment j'étais baigné dans le 3 pendant ces quelques jours, encore que c'était pas le 3 le plus éprouvant pour nous, puisque évidemment ça se terminait pas à 6h du mat, mais on a dit qu'on parlerait pas de jeux vidéo. Père pitié. Alors Père pitié. On passe à autre chose. Père pignon. Ma joie actuelle c'est
l'installation d'un climatiseur. Et ça, oh, quel plaisir. Oh là là, alors que attends, un vrai de vrai de vrai. Un ouais, vrai, regarde. Bon, là, tu le vois pas parce que je suis parti avant qu'il soit fini d'installer, mais il va être à droite de la bibliothèque, là. Oh, il était installé qu'on est parti. Et il va nous régaler, voilà. Et alors, c'est chiant ou c'est pas chiant à poser chez soi c'est genre, il faut des trucs payer, spéciaux dans les murs, dans les machins. Alors, c'est pas cher ou c'est cher à payer Alors, je vais répondre. Ouais. Dans un premier temps, en fait, poser le truc au mur, c'est easy. D'accord. Là où c'est complexe, c'est évidemment de le relier à l'énorme ventilo qui est dehors. Donc, c'est de passer toute la câblerie et de faire tous les trous qui vont avec et de passer dans les murs. Ouais, donc, il faut ça, trouter, il faut tout. Ouais, okay, faut tout ça, passer. C'est un peu chiant. On s'est démerdé pour pas péter grand-chose et pas bouger beaucoup de meubles, donc on est pas mal. Par contre, bon voilà, ça prend un petit peu de temps, ça prend une journée entière, ça coûte évidemment, là j'en ai pour un peu plus de 5000 balles évidemment. 5000 balles ? Deux clims évidemment. Ah, t'en as mis deux, d'accord. Oui, il y en a deux. Donc voilà, ça fait très mal au cul, mais en même temps, les 35 degrés, ils font très mal au cul aussi, donc au bout d'un moment, il faut investir. Ouais, mais... Puis c'est pas perdu, quand tu revends la maison, ça se valorise, le fait qu'il y ait déjà la clim dans la baraque, ouais, bon, c'est toujours ça. Triste qu'on en arrive là à Paris. C'est mon petit plaisir, mais c'était pas un plaisir sur toute la ligne, hein, parce qu'il faut savoir qu'on a terminé tard, hier, puis qu'on a fait durer un petit peu. On est rentré un peu, je sais pas, on a dû s'endormir à 4h, 5h du mat. 4 heures. Ouais, 4 heures. Et puis bah, j'avais Gigi et Sunday à la maison. Puis là, on rentre, je fais, oh, par contre... Vous n'aurez pas de grasse mat, évidemment, puisque les mecs, voilà, la bière appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ah ouais, crois-moi c'est que ça, la bière alors. Leur appartient, parce que... Bon, moi, j'étais bien. Hein. 8h... moi, gros, moi, ce qui m'a réveillé, j'ai entendu un moment, le mec a percé pendant à peu près une demi-heure sans s'arrêter, et c'est là que j'ai capté. Allez, ta fille, et je me suis dit, ah, ils sont arrivés, c'est 8h, regarde. Je regarde 11h30. Donc ça dit le mec de grasse matinée. Rien entendu. Une pire. Ah combat. T'as eu un gosse, t'es anesthésié. Le petit bonus, évidemment, vous savez bien que je ne perds jamais de temps pour gagner un petit billet, évidemment. Je suis très content pour le moment parce qu'ils ont passé une heure à bâcher toute la baraque. C'est-à-dire qu'il y a une bâche partout, les figurines, la bibliothèque, les consoles, le setup de stream, tout est bâché. C'est même le sol, ils l'ont bâché. Mais c'est propre. C'est merveilleux, c'est très propre. C'est merveilleux. J'attends évidemment la fin, voir si je suis pleinement satisfait. Après quoi, évidemment, je donnerai l'adresse de cet installateur de clim qui m'a régalé et qui me permettra d'avoir une petite réduction. Évidemment, ça régale, bien sûr. Bref, voilà, c'est mon plaisir du jour, évidemment. Avec parcimonie pour ne pas enculer la planète, on bien le rappelle. Sûr, bien sûr, bah, 5000 balles, de toute façon. Quel rapport avec la bâche, l'histoire là ? Bah parce qu'ils ont des trous à faire, du coup ça fait de la poussière, et crois-moi que la poussière, gros, elle va partout où tu veux pas. Quoi. Non, mais je comprends qu'il y ait une bâche, mais quel rapport entre la réduction et la bâche ? Non, la réduction, c'est le fait que j'en parle. Mais non, et le fait que j'en parle, c'est lié au fait que je sois content. Et si je suis content, c'est notamment parce que. Et c'est pour ça qu'il bâche, parce que d'habitude, il bâche pas. C'est pas la merde chez moi, tu vois. Le fait qu'il bâche. Le fait qu'il bâche, c'est pour qu'il soit content. C'est que voilà, le travail est bien. C'est que c'est propre, c'est pro, c'est bien. Il n'y a aucune conclusion entre il a bâché, et donc du coup, j'aurai une réduction. C'est il a bâché, donc je suis content, donc je vais peut-être en parler. Pas de bâching, ça arrive. Pas de bâching. En gros, le mec, il regarde en ce moment le stream, il fait il va parler de moi ou pas ? Moins 10% ou pas ? Alors, tu dis s'il bâche pas, quand j'ai fait le carrelage, gros, crois-moi que il a pas assez bâché parce que derrière c'était un cauchemar pendant 2 semaines. Donc merci. Eh ben écoute, voilà, tout arrive. On a vraiment des gros pas problèmes réduction. Par ici. Ah bah. Xari, qu'est-ce que j'ai foutu fait, de ces quelques jours ? Qu'est-ce que tu branles en fait ? Parce que toi, pour le coup, le 3 t'as pas épuisé. On va pas se mentir. Bah, il m'a épuisé en termes de contenu, quoi. Genre, c'est hallucinant quand même. Je le sens. Je regardais les résumés. C'est dingue. Surtout du côté de chez Nintendo, peut-être. Non. Bah, j'ai fait 2 heures et j'avais déjà envie de me couper les couilles. Donc, imaginez quand même. Après, la vérité, c'est que t'as fait les 2 pires heures. Mais on a dit qu'on parlait pas de jeux vidéo. C'est vrai. Non, qu'est-ce que j'ai fait ? Bah, pas grand-chose. En vrai, j'ai allumé ma clim. Voilà. C'est pour ah bah bravo, demande, hein. C'est pas mal. J'ai fait un peu la cuisine. J'ai. Eh bah dis donc. Ah ouais. Restez assis. Hein. Il y a des week-ends mieux que d'autres. N'oubliez pas, c'est le grand récap. Je suis décoiffé ici. Le jeu vidéo. J'ai fait plus de tenues là. J'ai fait plus de trucs dans les 2 heures de temps libre que j'avais ce week-end. J'ai joué à Mario Tennis. J'ai fait le FC. Ah pas de jeu vidéo. Ah.
Bah, il y avait rien, il y avait pas de compète. Enfin si, j'ai regardé quelques matchs de l'Euro, mais Roland Garros, bah, c'était pas ce week-end, mais c'était fini sur de l'Euro. Ouais, Roland Garros, j'ai regardé la finale. Et abattu, quoi. Un petit peu abattu, doublement abattu, mais tranquille, non, j'ai rien branlé, quoi. Pourquoi doublement abattu, tu voulais voir Tsitsipas? Bah, je voulais surtout voir Nadal, quoi, pour un 14e titre, mais bon, je suis un peu deg, j'ai peur que ce soit la fin, quoi. Mais bon, c'est pas grave, il reviendra quand même. Donc. Il y a un temps pour tout. On continue avec Jiraya. Moi j'étais avec le mec qui est au bout de cette table là, sur vos écrans, avec Jumpé, puisqu'on est parti à Beauval. On est parti à Beauval, donc je l'ai ramené dans sa famille, tout simplement. J'allais faire la manne. Alors, évidemment. Au niveau de l'amitié entre vous, comment ça se présente? Parce que deux tirs en bah, ça, ça reste qu'un mot. Non, mais on s'était organisé ça. Non, il faut savoir qu'on se déteste, hein, vraiment. On fait ça pour nos femmes. C'est tout. Non, mais on s'était chauffé à faire une petite sortie. Je crois que tu n'avais jamais fait Beauval d'ailleurs, du coup. Ah, et puis c'était l'occasion. Je crois que tu aimes bien les parcs. J'étais sur un chat Twitch. Mais enfin. Enfin frérot, elle passe là ou difficilement 4 sur 10 mais... Non, on s'est fait Beauval et c'était franchement c'était très cool. On a passé un moment, il faisait très très chaud, oh, putain, cela dit. Par contre, on a pris une journée où honnêtement on était en plein cagnard, mais on s'est régalé. Réouverture en plus avec les restos et tout, on se demandait si on pourrait manger sur place. C'était nickel, c'était bien organisé, bien fait, beaucoup de monde. Moi j'étais allé qu'une seule fois, c'était l'an dernier, mais je crois que j'y avais été en semaine. Du coup, ce qui fait que là, un samedi, c'est avec la réouverture progressive des parcs, etc. Les gens ont envie de sortir, donc il y avait vraiment, vraiment énormément de monde, entre guillemets, pour une jauge Covid, bien sûr. Mais cela dit, on a quand même passé un très bon moment, on s'est régalé. Ben, nous, on avait la petite en plus, donc ça, les animaux, elle a kiffé. Je pense que t'as bien aimé. Surtout, oh, le spectacle des otaries, t'as adoré. Quoi. Oh, le spectacle des otaries, j'adore. Oh, c'est l'otarie, comme ça. Oh, oui, on adore. Attends, pour la petite histoire, c'est surtout ma femme qui était en mode « Oh, faudrait trop qu'on fasse un spectacle toute la journée, tu vois. » Et genre à chaque fois « Oh, pas de chance, on n'a pas eu de place. Oh, » ouais. Pas de chance. Oui, enfin, tu veux peut-être qu'on parle de pourquoi on n'a pas eu de place, non, sur les rapaces ça, au début. Non, les rapaces. On va éclipser. On va éclipser. Mais non, en fait, il faisait tellement chaud, sa mère. Vraiment, c'était abusé. Et quand on est arrivé sur le truc, justement, pour le spectacle des otaries, c'est dans une espèce d'arène, il n'y a aucun point d'ombre, donc vraiment ça dure 30 ou 40 minutes, envie de chialer. Alors, en plus on voit les otaries se régaler dans l'eau en mode ouais, on a juste envie de se baigner avec eux, quoi. Ouais, mais c'est là qu'il faut la casquette, le bob, le béret sais-je qui te sauve la mais on avait tout, on était full casquette vraiment j'étais en maître kebab mais c'est beaucoup trop chaud, quoi. On se mouillait le crâne en permanence. Bon, c'était bien. Mais c'était très, très bien, cool, c'était très bien. C'est combien une entrée à Beauval? 30 balles, je crois. Ouais, environ. Ça, ça va. Ouais, non, il me semble que c'est 30 euros. Si je dis pas de bêtises, bah, c'est ok. En vrai, on a juste pas pu faire malheureusement les télécabines, qui sont assez sympas, qui permettent de passer au-dessus. Au-dessus des lions. D'aller, tu partout. Fais. Nord-sud rapidos, et puis tu as une télécabine sur deux où tu as le sol qui est sol vitré. Ouais, c'est ça, vitré. C'est bon, ça. Et c'est assez sympa. Et il y avait vraiment un monde, il y avait tellement de queues. Que c'est plus rapide de descendre à pied. Donc on a dit, on va pas non plus forcer et perdre un temps infini. Donc non, on s'est bien régalé, ouais. C'était très bien. Sunday, t'as fait de la muscu. Oui, ça y est, le retour à la salle de sport. Bah effectivement, je savais que tu allais compléter ce petit biceps ficello. non, mais retour à la salle de sport. J'hésitais à m'y relancer vu que Ring Fit m'a repris depuis un moment. Je me suis dit, bon, allez, est-ce qu'on s'y met un petit peu plus sérieusement? Eh bien, écoutez, on va motiver. T'as cassé deux machines. Et ça y est, non mais je suis lancée, je suis une machine. J'ai des courbatures. Dur, les gars, j'en peux plus, j'ai les pecs qui me font mal, j'ai les bras qui me font mal, c'est terrible. Ça a l'air d'être une constante en fait, parce que tout le monde reprend le sport parce que les salles ont toutes réouvertes, puis tout le monde se dit allez c'est parti, ils sont tellement motivés de faire du sport, ils sont là, ils y vont, et le lendemain ils sont en mode ah oui par contre, moi j'avais envie mais mon corps a oublié par contre. Mon corps avait complètement oublié, hein. Clairement là ça a été trop chaud, j'ai pas envie de faire du sport. Alors j'avais très peur qu'il y ait grave de monde, parce que je me suis dit justement la même chose, c'est la réouverture des salles, ça va être blindé de chez blindé. Personne. Franchement, personne. Donc, écoute, bonne surprise. On va voir si ça se maintient dans les semaines à venir, s'il y a toujours aussi peu de monde. Mais moi, en tout cas, je suis trop chaude. Masque obligatoire dans la salle. Masque obligatoire dans la salle quand tu traverses entre les machines. Mais une fois que tu es sur la machine. Quand tu es sur la machine, tu peux enlever ton masque. Puis après, mesure d'hygiène, tu as des sopalins avec des petites pites. On va en parler tout à l'heure. D'ailleurs, les masques qui, en extérieur, évidemment, seront plus nécessaires à partir de demain. Et ça, c'est fou. Jumpé.
Qu'est-ce que alors, j'ai on ne me raconte pas la même, hein, du coup, c'est chiant. Bah, je suis allé au zoo, du coup. J'ai allé au zoo. C'était bien ou pas? C'était pas mal. Alors, j'ai rien chez lui. J'ai vu la famille d'Iraïen. Mec, pourquoi tu dis ça? Tu dis ça parce que je suis arabe? Non, c'est pas. Il y avait des oiseaux. On a vu des oiseaux. Mais non, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, il y a eu le. C'était un peu le week-end. Vendredi, il y avait le Jiri Junpei chez vous avec Zulu. C'était trop bien. Franchement, c'était trop bien. Les gens ont vraiment aimé. J'ai eu des super retours dessus. Zulu a kiffé. On s'est dit à la fin de l'émission que vraiment, par rapport à la ville et par rapport aux moyens qu'on avait, on a faut le refaire. On a vraiment fait le maximum, quoi. C'est ça que je voulais dire qu'on pouvait faire et qu'on pouvait montrer. Zulu, bien fringant, évidemment, il est très heureux là où il est. Et puis j'ai vu son fils aussi, évidemment, Charlie, le soir même. Donc, attends, il a un gosse. Il est petit. Hein. Il est encore petit. Mais attends, mais je suis allé chez lui, j'ai pas vu. Tu l'as pas vu encore. J'étais en train de game. Il était peut-être planqué. À ce moment-là. Donc ça c'était pour vendredi. Et puis sinon qu'est-ce qu'on a fait d'autre? J'ai regardé la deuxième partie de Lupin. Moi aussi j'ai regardé, j'ai fait ça. J'ai oublié. Et alors? LUPIN. Et ben LUPIN. Sans spoiler, j'ai pas fini. Son nom c'est invraisemblable, quoi. C'est genre. Ouais, franchement, mais ça c'était sûr. Hein. C'était déjà un petit peu. Voilà, tu vois la bande annonce là. Ouais. Bah là déjà à partir de ce moment-là, ça devient n'importe quoi. Sachant que ça c'est dans la. C'est au tout début. Dans les 10 premières minutes. C'est au tout début. Ça manquait de rythme. En fait, c'est pas que ça manque de rythme, c'est que ça manque de vraisemblable, gros. Tous les épisodes. Ouais, c'est un peu extravagant. La partie 1 est vraiment bien, la partie 2 elle est. Tous les épisodes, c'est un peu. C'est genre vraiment, tu te dis, mais ça ne peut pas arriver parce que ça, ouais. En fait, dans la vraie vie, ça. Après, il y a un peu de magie aussi dans le sens où c'est Lupin, tu vois. Oui, mais après, regardé tous les épisodes et j'étais en mode, je vais regarder la suite pour voir la fin. C'est une série française. Mais il faut poser son cerveau, quoi. Ouais, oui, voilà, faut pas se dire tout le temps, ça c'est impossible parce que vraiment, c'est toutes les 3 minutes. Yannick, t'as l'air d'avoir quand même envie de sauver le projet. Mais on a regardé, donc c'était une série française. La sauce Hollywood, les gars, donc pour une fois on va pas leur taper dessus. Il a raison, Xari, il y a beaucoup de choses qui sont pas logiques dedans. Moi, ce que je reproche à la partie 2 de Lupin, c'est que la partie 1 elle était ok en termes de rythme et tout, ça allait, même si je trouve que c'est hormis Omar Sy, il y a beaucoup de personnes qui jouent très très mal dans cette série, mais vraiment. Ah ouais, vraiment. On les salue s'ils nous regardent. C'est cadeau. C'est Manix qui l'a dit. Alors justement, Ted. D'accord. Alors, le mec qui joue mal. Justement, nous avons un cœur. Alors les collègues. Je suis désolé pour ta corporation. Enfin, ta corporation. Désolé pour ton amical du dimanche. On s'excuse. Moi j'étais. Tu diras tes photos du dimanche matin, c'était pas fifou, hein, c'était pas la meilleure prestation. Oh, Dumont. Par contre, la fin, dernier épisode, est ok. En vrai, c'est ok. Messieurs, frère. J'ai pas encore vu la fin. Frérot, je me plains. Frérot, tu es cringe. Apparemment, il est pas d'accord. Non, en vrai, c'est pas que la fin. En fait, la fin, ils auraient pu faire une fin, mais ils se sont dit, allez. Bah oui, on ouvre. Allez, si on ouvrait pour faire genre une partie 3. Oui, une partie 3 d'annoncer. Hein. Oui, je sais, mais du coup, ça me dégoûte parce que. Enfin, bref. C'était prévu dès le début. Ouais, c'est prévu dès le début, mais ça voit que la fin, ça aurait pu être fini. Enfin, tu vois. J'ai pas encore vu la fin, mais jusque-là, en vrai, je suis pas aussi dur. Ça se laisse regarder. Non, mais oui, ça se laisse regarder. Mais pour moi, ça vaut 3 sur 5. Combien? 3 sur 5. Ah, c'est déjà au-dessus de la moyenne, c'est bien. C'est déjà pas mal. C'est bien. Très bien, 3 sur 5. Le jeu d'acteur, du coup? Je sais pas, j'ai regardé en ça 4. Va avec 3 sur 5. Non mais il regarde en x4 en Ukraine. il a pas. J'ai fait 3 sur 5 en global, il a pas demandé chaque note de chaque joueur, gros. Non mais en vrai, ouais, 3 sur 5, c'est pas insane mais ça se regarde, quoi. Joue une autre chose. On a fait du padel lundi. C'est vrai, quel plaisir, effectivement, ouais. D'avoir repris ça. T'as failli être seul, d'ailleurs. De quoi? T'as failli être seul. J'ai failli être seul. Non, c'est pas ça, c'est que je suis arrivé à l'heure prévue. Faut expliquer les termes, c'est que pour pas se faire baiser. À chaque fois, il y a des mecs qui sont en retard, d'accord? Quand on peut le citer, Cérophélos. Cérophélos, et du coup, pour pas se faire avoir, parce que ce qu'on aime bien, tu vois, bon, quand tu prends une séance, elle dure une heure et demie, t'aimes bien faire du sport pendant une heure et demie ouais. T'aimes pas que le mec arrive, ouais. Se prépare, te crie 15 minutes, c'est chiant. Donc, moi je dis à Rophélos, rendez-vous 15h15. Le la lundi. Séance, la séance est à 15h45. Le mardi. Ah oui. Donc je lui dis 15h15. Mais le lendemain. Tu dis Rophélos, pour toi c'est 15h15, pour tous les autres c'est 15h30. Rophélos s'est pointé à 16h. Mais non, mais quelle chance.
Je t'avoue que les coudes ont chauffé. Attends, est-ce que t'as dit texto à Rofellos, pour toi c'est ça et oui, j'ai dit ça pour le troll. C'était pour le troll, c'est pour qu'il comprenne. C'était pour lui dire mais non, tu fais chier. Non, mais lui dire ça n'a aucun sens. Ah mais j'ai compris, t'inquiète, la prochaine fois j'irai le voir en perso, lui dire j'ai réservé à telle heure. Voilà, bah voilà. Sinon on peut parler et tu attendras seul si t'es à l'heure. On peut parler de ta performance quand même sur le padel. J'étais dégueulasse, c'est vrai. On était 4, on faisait des duos, donc on a changé à chaque fois les duos, t'as pas gagné un match. C'est vrai. En fait, on a cherché qui était celui qui gagnait les matchs et on a découvert à la fin en fait. C'était pas toi. Qui perdait les matchs. Tout le monde a gagné. Il y en a qu'un qui a tout perdu. Oh, et il y avait une corrélation. Il y avait un truc. Non, franchement, j'ai été dégueu. Sur les derniers matchs, c'était plus serré. Mais ouais, j'ai mis une heure et demie à me chauffer. Quoi. C'est qui votre dernier ? Notre dernier. C'était. C'était Jérémy de Play-In. Ah, ok. Anciennement Magic Bazar, évidemment, n'oubliez pas avec le paddle. C'est un pavé d'immense planche sur laquelle on est debout et on rame. Du paddle. Ça, c'est du paddle. Non, c'est le paddle. Paddle, tennis en double avec une cage autour. Du coup, tu peux rebondir sur les bords, c'est trop marrant. Ouais, mais moi, le sport, c'est pas ma cam. J'entends, j'ai pas d'argument contre. Est-ce que t'as vu ces biceps cochenous qui vont entretenir Ticello contre cochenou. Bon, d'ailleurs, peut-être, puisque tu as envie de parler, qu'est-ce que tu as foutu ces derniers jours ? Et ben, ma foi, ben, moi, ça a été le résultat tant attendu du grand festival, le très court international. Et ben, ça a winé ! On était bien ! On était à la maison, on était face à plusieurs pays du monde entier. Et on a eu la chance et ben, que ce soit nous qui gagnions la coupe. Quoi. La donc, chance, c'est le mot. La chance était bien le mot. Attends, donc, qu'est-ce que tu as gagné exactement ? Est-ce qu'il y avait plusieurs catégories ou est-ce que t'as remporté le Mega Prize ? Alors, le Mega Prize, non, ce n'est pas nous qui avons gagné le Mega Prize. Nous, on a gagné un prize qui était totalement à côté, qui était tout à fait sympathique. Les termes, monsieur ! Ça gagne, nous, on a gagné. Le prix le cours de vous noterez l'emploi comme du terme sur France 2 un petit dictionnaire alors moi j'ai aucune honte les gars, j'ai botté le cul à l'Argentine, aux États-Unis, à la Russie, je peux vous dire que je suis en forme. Alors du coup c'était le prix de quoi? Eh bien en fait on a gagné le prix presse, voilà, et donc on va être diffusé sur plusieurs plateformes, voilà, donc ça peut être hyper intéressant pour nous, le petit big up TV entre autres, mais voilà, donc on est plutôt ravi là-dessus. Bon. En vrai, vu qu'on est en train d'en parler, est-ce qu'on se le regarderait pas maintenant? On l'a, alors juste, je précise, de contraintes. Ah, contraintes. Alors, quand ça va, si vous avez regardé Monsieur Lupin, Colin, je précise tout de suite. Non, de Lupin. Michel de Lupin. Il n'a pas remporté de prix. Non, non, c'est les contraintes du concours, il faut que je vous les donne. Parce que sinon, vous allez vous dire, pourquoi c'est l'histoire. Bien sûr. Beau sauvetage. Il faut se dire que le thème général pour tout le monde, c'était l'écologie. Que nous avons fait ce court-métrage en 48 heures et que nous avions un objet obligatoire, c'était un glaçon qu'il fallait qu'on voit au moins une fois dans le court-métrage et une phrase qui était les néonicotinoïdes, bon bah c'est chiant donc faudrait les interdire. Voilà. C'est ça la phrase. C'était la phrase qu'il fallait placer dans le court-métrage. C'était la consigne qu'on avait tous et donc bon visionnage, ça s'appelle l'interview. Voilà. Tu l'as très bien lancé, je ne serais pas mieux. Let's go ! Talent, ouais. Tu peux me lire ça, s'il te plaît ? De quoi ? Deuxième ligne. Néonicotinoïdes. C'est imprononçable. Rien que pour ça, il faudrait les interdire, ces trucs. Oui, Alia. Oui, papa, il sera là ce soir pour te dire bonne nuit. Ah bon ? Elle est tombée ? Bah, et tu penseras bien à la mettre sous ton oreiller, alors, hein ? À ce soir, ma chérie, hein ? Je t'aime. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi pour le retard, hein. Les enfants. Vous en avez ? Non. Vous verrez, ça change la vie. Attention Lucie, et en tête en 3, 2... Monsieur Labatte, bonjour. Bonjour.
Alors tout d'abord, merci de nous accueillir ici, au sein même de votre entreprise. Monsieur Delabatte, on ne vous présente plus. Vous êtes le PDG du groupe Alia France. Vous êtes devenu la 5e fortune mondiale en seulement 2 ans, grâce à votre nouvelle découverte, un variant plus efficace de néonicotinoïdes. Exactement. Alors, un variant plus efficace, certes, mais qui suscite tout de même beaucoup de débats. Il suscite des débats, c'est un bien grand mot. Je dirais surtout qu'il nourrit des millions de personnes tous les jours et qu'il évite que les petites bêtes dévorent nos cultures. Alors, rappelons à nos spectateurs que les néonicotinoïdes sont des insecticides qui s'attaquent directement au système nerveux des insectes. Et vous, votre variant, est actuellement le variant le plus puissant sur le marché. Effectivement. Toujours incolore et inodore. Le plus puissant et de ce fait le plus dangereux pour la biodiversité, vous êtes d'accord avec moi? Au contraire, pour la biodiversité, on a réglé le problème et j'ai jamais vu un seul oiseau refuser un buffet à volonté. Monsieur Delabatte, de nombreuses études démontrent que l'exposition prolongée aux néonicotinoïdes provoque des problèmes de développement, des lésions neurologiques, voire certaines formes de cancer chez les plus jeunes. Que pensez-vous de ça? Madame Adelman, vous me parlez d'une époque qui est révolue. Le nouveau composant, au contraire, il résout tous les problèmes. Donc vous affirmez que votre variant est totalement sans danger, même pour les plus faibles? Mais bien sûr, c'est une révolution. Et ce, peu importe son taux de consommation. Je pourrais boire l'équivalent de cette bouteille, que tout irait bien. Dans ce cas, le verre que vous venez de boire ne vous causera aucun désagrément. C'est-à-dire? Vous savez, ce qui est pratique avec votre produit, c'est qu'il est totalement incolore et inodore. Il n'a aucun goût. Un petit peu comme l'eau, finalement. Qu'est-ce que vous avez fait, là? Pourquoi? Ça ne va pas. Qu'est-ce que vous avez fait, là? Vous vous sentez mal, peut-être? Qu'est-ce qui se À la vue de votre réaction, monsieur Delabatte, je pense que le spectateur pourra se faire un avis totalement objectif de votre nouveau variant. C'était Lucie Adelman pour France 8. Vous m'avez piégé. Vous êtes piégé tout seul. Pourquoi vous m'avez fait ça? Il aurait eu 6 ans aujourd'hui. Tenez, vous en aurez besoin. Formidable. Bravo, bravo, bravo. Oh non, mais comment tu n'as pas gagné le Grand Prix avec ça? Je comprends pas. Ah, mais il y en a. Alors que ça presse F dans le chat, hein, bien sûr. Forcément. Eh ben merci beaucoup. C'est très bravo, très, très mec, gentil. Bravo, mec, c'était stylé. Sur chaud, l'échelle hein. De Lupin, mec, t'es. Oh ouais. Appelez-moi Hugo Gélin tout de suite. Ça va faire une. Par contre, il faut venir saper comme ça avec la pecou et tout. Là. Ah ouais. Ah, mais là, t'as une heure à peu près de maquillage, de coiffure, de beubard. Ah ouais, non, mais c'était. Bah, t'as vu la touffe que j'ai. C'est Tahiti Bob, le mec. Donc, ils m'ont tout plaqué en arrière, tu vois, là je suis plus voilà, plus détente, et, mais c'était ouais, une belle expérience. Alors c'est toujours ultra fatigant, c'est ces 48 heures où on dort pas du tout, mais bon bah comme je l'ai dit la dernière fois, j'invite tous les gens à le faire, parce qu'avec un téléphone aujourd'hui on peut faire un court métrage, on a tourné des films par exemple à l'iPhone 5 et l'iPhone 6, alors donc, n'hésitez pas les copains, oui, vous avez de très belles images. On est au 12 et, oui mais on est au 12, mais c'est pour dire qu'avec un 6 on peut encore plus aujourd'hui. Exactement, donc vraiment n'hésitez pas, faites-le, c'est des expériences de vie. Parce que là vraiment bon déjà vous saurez si vos amis sont vos amis parce qu'au bout de 48 heures il y a des tensions qui commencent à monter crescendo mais voilà donc et puis c'est toujours mieux quand bah oui c'est couronné de succès et donc ce court-métrage ira dans d'autres festivals et donc voilà c'est une belle aventure qui commence avec celui-là. Et bah félicitations mec, bravo, très mec. Stylé merci beaucoup. Bravo, on valide voilà autour de ce plateau tu peux survivre Xari l'a fait allez, il est sous le masque allez, tu vois allez, il est sous le masque pas, allez, concernant le variant. Xavier, il a vu la photo du gamin, il a fait bah dommage. Un petit peu long pour moi. Ouais. Ah, ok. Ah, bah, un peu long, le très court. Un petit peu long. 4 minutes, court-métrage, trop long. Mais je proposerais bien aux gens du récap, s'il y en a qui sont chauds, de faire un jour un 48 heures. Ça pourrait être une belle expérience à mener ensemble. Je sais qu'il y a des comédiens autour de cette table. J'ai eu. Ah ouais, on a vu. Comment? On a vu. Attends!
en Cantange. Cantange. C'est vrai qu'on a également gagné le prix de l'OP la mieux payée sur ce plateau. Tu n'étais peut-être pas au courant. C'était pas le prix de la presse, du coup. Non, je l'ai acheté, la presse. En vrai, quand tu veux, hein, ça peut être très bon. Plein d'envie, plein d'idées. Écoute, ça sera peut-être l'occasion. Effectivement, en tout cas, j'ai à toi, c'est assez cool. Quand est-ce que tu as déjà des projets du coup pour l'avenir, des trucs où tu sais que dans deux semaines tu vas retourner un autre truc ou quoi? Ah bah oui, là, en même moins de deux semaines, la semaine prochaine, je suis sur le tournage d'Astérix 5 pendant 10 jours. J'ai fait les costumes lundi. Je vous montrerai la photo en off parce que je peux pas la montrer publiquement, c'est interdit. Voilà, c'est dans le contrat que j'ai signé. Et je tournerai également un autre film lundi et mardi qui s'appellera L'école est à nous, voilà, qui est par le réalisateur de Tamara. Donc je joue dans deux films à partir de la semaine prochaine. Let's go. Voilà, vous le verrez moins dans le récap, c'est pas grave, mais c'est pour une bonne cause. Du 22 juin au 6 juillet, c'est tendu, on va pas se mentir, ça va devenir compliqué. T'as choisi ton équipe, quoi. Mais je reviens, peut-être. Attendez-moi. Ken, qu'est-ce qu'il a fait ces quelques jours? Est-ce qu'il a tourné un très court métrage en 48 heures? Non, j'ai rien tourné comme court métrage, j'ai essayé de tourner de l'œil pour dormir. c'est déjà pas mal. Non, mais j'ai entraîné madame sur l'anneau de Longchamp. Et j'ai réussi à la faire pousser au-delà de ses limites sur l'anneau. Donc je suis content, même si... Combien autour? 30 kilos. Autour, tu veux dire la vitesse autour, 6 minutes 20? Question. Elle est bien. Est-ce qu'à l'issue de cet effort, est-ce qu'elle t'aime toujours? Ouais. Ou est-ce qu'elle se dit, mais quel connard avec son vélo, celui-ci? Ouais, il y avait ce côté petit cadeau piège qui va laisser un petit bout de Jean-François dans la bouche. Mais ça va mieux maintenant parce que, en fait, elle y arrive. Et quand tu y arrives, tu dis, putain, ouais, je suis capable de faire ça. T'as l'effet de ouf et t'as pas les courbatures, t'as pas les trucs, t'as pas les machins, c'est trop. Alors que 9 km au final. Alors finalement, qu'est-ce que c'est? Là, les courbatures. Voilà, nos longchamps, c'est quoi? Tu les as. Nos longchamps, c'est quoi? 3 et quelques? Comment? C'est quoi? 3 et quelques? Non, les meilleurs, ils sont en 4,03 km. 3,60, ouais. Ouais, ça. Donc, en fait, c'est quoi? Parce que moi, je vois pas ce que c'est. Donc. Tu vois l'hippodrome de Longchamp à Boulogne? Non. C'est un hippodrome, donc c'est un endroit où il y a des chevaux qui courent. Et tout autour de l'endroit où il y a les chevaux qui courent, il y a des vélos qui tournent. Il y a une route. En fait, t'as une piste cyclable full juste pour que les teams et elles tabassent et elles s'entraînent. Ah, bombardé là-bas. Ils font des tournes, voilà. Et moi, je vais bombarder là-bas. Il n'y a pas de voiture et il n'y a que des cyclistes. Et surtout, elle n'est pas coupée. C'est-à-dire, t'as pas d'intersection. Donc ça tourne. En fait, il n'y a jamais de voiture. Il y a toujours des gens qui roulent, qui sont soit ultra forts, soit qui se baladent. Et donc, du coup, tu peux toujours rouler avec des gens et tu peux tracer. Et il y a des records en mode celui qui fait le tour le plus vite et tout. Donc il y a des mecs, des fois, ils sont déterres. T'as l'impression d'avoir une équipe du Tour de France. C'est clair. Ils font des relais et tout, juste pour essayer de battre leur corps sur Strava ou des trucs dans le genre. Quoi. Et c'était en plein durant Roland-Garros. Du coup, t'avais toutes les voitures officielles de Roland qui sortaient de l'hôtel, du golf, de Longchamp pour aller là. Donc t'avais toutes les officielles qui étaient là pour faire très attention que les voitures roulent pas comme des salauds sur tous les cyclistes qui faisaient les tours pleine balle, quoi. Et c'était vachement bien fait. En fait, le fait d'avoir Roland, ça sécurisait tout le truc. Parce que d'habitude, le week-end, on y va. Les gens qui vont faire du golf avec leur mini décapotable nous roulent dessus. Hein. Et globalement, t'entends beaucoup de connards. Dans la ligne droite comme ça. Mais audio qui sont énervés. J'ai emmené mes potes un jour. T'avais que des cyclistes. Ah, connard! Attends, tu m'as pas vu! Fais, ah oui, il y a bonne ambiance. Dis, ouais, tu vois, c'est cool. Énervé, mec. C'est énervé. Une autre ambiance. Ah, bien sûr. Nanix! Faut parler de jeux vidéo du coup. Eh non. Oh. Bah déjà j'ai avalé, absorbé, binge-watché Lupin. Partie 2. J'ai eu peur. Oui, ouais. Et enfin, avec le mot Lupin à la fin, ça va chelou. Il peut avaler tellement de choses. Je m'effie. Hein. C'est pas avalé, vous avez eu peur. Ah. La valeur fou. Bon, Lupin, on a déjà fait. Je me suis rematé Loki en famille. Oui. Attends, t'as rematé une deuxième fois Loki? Il a beaucoup de temps libre. Bah ouais, j'ai beaucoup de temps. Ne jugez pas. Mais non. Épisode. Non, le premier épisode, il est. Ah oui, il y a qu'un épisode, les gars. Ah d'accord, les gars. La saison, machin. Les gars. Le deuxième est sorti aujourd'hui. Donc tout à fait, on va pas en parler. En fait, j'ai pas vraiment fait grand chose, si à part que j'ai repris le foot, un petit five. Le vrai foot? Ouais, un petit five. D'accord. Avec les collègues du quatrième. Évidemment, j'ai été prodigieux, formidable, on a gagné. D'accord, donc ça c'est les termes, maintenant la vérité. La vérité, on a gagné, j'ai été prodigieux. Ah d'accord. Pardon.
Pardon, madame. Pardon, voilà. Pardon. Excusez-nous. Prochain petit pont. Par contre, du coup, ça m'a chauffé à me dire. Ça fait. T'as marqué combien? T'as marqué combien de buts? Anix. Je suis défenseur central. Et alors, dans le 5, je suis un sentinelle. Défenseur central, en 5, joué dans 5 mètres carrés. Le Kanté marque pas de but quasiment. Donc voilà, vous savez. Vous avez... Oui, fait, on est dans un 5 gros. Donc, ouais, mais je monte jamais. Un 5, le goal peut marquer, tu vois. Je sais, mais moi, je suis vraiment la sécurité sociale. Attends, mais il est juste en dehors du stade, il fait la sécurité. Il a été prodigieux. Sur ce terrain, monsieur. T'es défenseur central dans un 5, mais ça ressemble à quoi? En gros, je suis. Mais genre, t'es tout seul au milieu du. Ça s'appelle un foot, À quoi ça sert? Je suis la sentinelle en retrait, ça va. La sentinelle en retrait. T'es remplaçant, en gros, quoi. T'évites juste de prendre une contre-attaque, quoi. Bah non, parce qu'il faut penser tactique un peu, tu vois. Faut que le mec soit placé, tac-tac. Non, mais attends, t'as fait un five avec des potes ou t'étais au championnat de France? Non, en plus ça jouait bien, c'était cool. Toi, tu distribues, toi. En fait, c'était le mec au téléphone sur le bord du terrain. Oui, attendez, j'arrive, les gars, c'est ma femme. On est tous en train de lui donner des leçons alors qu'il n'y en a pas un qui fait du five ici. Non, je suis pas médisant. Une fois. Ça s'est mal passé. Ah. T'es vite redescendu, quoi. Le cadre était pas là, quoi. Donc je... Mais, ouais. Du coup, t'as encaissé combien de buts? Oh, on gagne, je crois, 10. Non, plus que ça. 12-5, 12-6, quelque chose comme ça. Okay. Donc, prodigieux, mec. Ah, c'est pas dégueu. Prodigieux. T'es un véritable prodige. Et du coup, parce qu'en fait, tu m'as chauffé, sache-le. Et madame aussi, avec ton tapis de marche. Du coup, moi, je cherche un. Alors, rien à voir, mais un vélo. D'appart pliable. Et ça fait genre 3 semaines que je suis dessus. Tu m'as chauffé avec ta voiture, je me suis dit, je vais prendre un avion. J'étais persuadé que j'allais trouver le. Vélo pliable. Ouais, parce que un vélo d'appartement, ça prend trop de place. Vraiment un truc pliable que je. Un vélo d'appartement, déjà, ça n'existe plus. On est plus en 900. T'achètes un vélo et tu le mets sur un truc. Ouais, non. Ça existe encore. Ça existe, mais ça sert à rien. Moi, j'ai un tapis de course. Non, mais attends, frère. Non, je préfère le vélo. J'en ai un avec un siège en plus. Comme ça, il y a juste les pieds qui travaillent et je mets des films en même temps. Tu fais du bruit ou. Non, excusez-nous, est-ce qu'on peut se respecter? Mon souci actuel, c'est que dans les avis sur internet, soit au bout d'un mois, c'est mort, quoi, tu vois. Mais elle n'achète pas de vélo. Soit ça fait du bruit. Achète un vrai vélo et prends un entraîneur. C'est de la merde. Ça fait mal au cul. Tu prends un entraîneur, tu fais un vrai vélo dessus. Et si ça t'emmerde, tu lèves ton vélo comme ça, et puis voilà, ça fait comme s'il était pliable, il prend pas de place. Ouais, achète un rameur. Non, je préfère. Non, mais un vélo d'appartement, gros, c'est. Normalement, je me suis saucé là-dessus, quoi. Ouais, mais c'est pas. C'est pas worse, hein. Vraiment, prends un vrai vélo. Déjà, tant comme ça. Il y a des gens qui se saucent à acheter une Dacia. Et c'est pas pour ça que c'est une bonne idée. C'est vrai, mais le vélo, c'est quand même mieux. C'est quoi la grosse diff entre un vélo d'appartement où t'es tranquille et ça pédale ou un vélo normal où t'es tranquille et ça pédale? Parce qu'un vélo normal, tu l'enlèves de son entraîneur et tu as un vrai vélo en fait. Donc, tu peux le réutiliser en extérieur. Ça te prend pas une place infinie dans ton appart que. En fait, vu le prix d'un vélo d'appartement correct, on va dire, autant acheter un vélo et un. D'accord, parce que c'est ce que j'allais dire. C'est la remarque que j'avais faite, elle pouvait peut-être marcher pour lui. Peut-être qu'un vélo d'appartement, c'est moins cher. Entre 150 et 300 balles. Mais bref. Oui, d'accord. Mais bon, alors, si tu veux un jouet, appelle Toys R Us, gros. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Et c'est moi qui fais du jugement de valeur avec les voitures. Ah bah bravo. Aux horaires que j'ai, je suis bien content. Je me mets une petite série, hop, je pédale comme ça. Donc voilà. En gros, c'est le combo que je rêve, quoi. Je vais mettre une série Netflix et je pédale en même temps, tu vois. Ouais, tout ça devant Lupin. Bah oui, quoi. Non, mais d'accord. Mais je t'avoue qu'un truc pliable à 150 balles, gros, j'ai peur pour ta vie. Hein, frère. Non, mais ouais, mais c'est pour ça que je te dis, je regarde un peu au-dessus et un peu au-dessus, même les avis sont pas excellents. Donc en vrai, bah, je laisse tomber, quoi. Tu as un truc top, tu peux prendre ça, là. Ça prend pas beaucoup de place et ça c'est top. Alors là t'es en train de montrer un truc que personne presque, ne voit presque, c'est chiant. Presque attends, un truc, donne-moi le prix de ce qu'il est en train de montrer. Ouais, c'est rien du tout. Tape 1500. Non, mais bien sûr. Qu'est-ce qui montre Ken? Ken il est abusé. Ouais, on peut avoir. On a acheté une demi-clive qui est en jouant le stream. 2500 balles. 2500 balles. Ken, mais c'est rien du tout. 250 balles, je suis rush. Écoutez, 2500. C'est pas comme ça qu'on va couvrir. C'est vachement bien. C'est même pas le prix d'un flipper. Oui, mais c'est pas comme ça qu'il va convertir. Pas d'argument. Donc quoi, Ken, c'est surtout qu'un flipper, je ne te regarde pas. Toi, Ken, en tant que vendeur, hein, quelqu'un vient te voir et dire voilà, bonjour monsieur, je cherche un vélo, j'ai un budget de 500 euros. Bah, voyez, on a le meilleur ici, 5000 balles, ça me semble être pas mal. Mais un truc qui prend pas trop de place, qui peut se plier relativement, je lui montre ça marche. Mais j'ai pas mis autant dans un vélo d'appartement. Il faut peut-être prendre en compte. Non mais ok. Bah, achète un vélo. Tu vas acheter une voiture, dis bonjour, j'ai 10 000 euros de budget. Je veux un vélo d'appartement. Alors voici 7 euros. Vous maintenant. Bah non. Vu les avis, je vais laisser. Bon, tu vas pas pédaler tout de suite du coup. Non mais si, t'as le droit, mais en fait, je pensais que tu voulais un vélo. Enfin, en fait, je me dis juste, c'est tellement plus worse d'avoir un vélo que tu poses quelque part, parce que comme ça, t'as un vrai vélo en plus. Ouais. Mais après, non mais ça frérot,
Ah, ah ouais, mais il y a c'est plus que c'était ça, c'est 2500 balles, 2006. Oui, non, mais il peut autant acheter un vélo et le foutre sur Home Trainer. Voilà. Oui, non, mais Trainer, ça coûte combien? Non, mais ça coûte ça dépend. C'est 500 euros entrée de gamme, 1500 haut de gamme. Tu vois. Plus le vélo. Le vélo coûte... d'appartement pliable, on disait. Le vélo tout court, il coûte. Non, mais si tu veux acheter un truc à 400 balles, ok, mais achète pas. Tu peux avoir un vélo ça, à 300 balles, ça marche dessus. Donc, sinon, faut compter 1000 balles, quoi. Ouais. Bon, les gars, c'est le Tour de France ici ou on va faire. Ça va, on t'en fout, on s'en emmerde là. Il veut le tranquille, t'achètes un vélo à 150 balles, t'es la paix, merde. Tu vis, non? Mais il est que défenseur central, il veut. Ah oui, je suis sentinelle, je me rappelle. Bon, tu feras du vélo plus tard si tu mérites, c'est pas le moment. Pour le moment, on va continuer avec les réseaux sociaux, les amis, c'est parti, jingle. Et Jumpei qui a une solution hein, pour Onyx puisqu'il lui propose une grande roue de hamster. Bah, ça prend pas de place, tu la vises sur le mur. Nickel, tu peux faire tes petits exercices. T'as pas vu mon appart, mec. T'as pas vu ta décor. Hein. T'as combien de mètres carrés? 120. Je sais que madame, 200 000. Je sais que madame est dans le chat, si elle peut me l'envoyer par texto. Ah, j'ai eu peur, j'ai eu vraiment peur. Mais à peu près. Je sais pas, ça doit être du. Mais comment tu peux 70, ouais. Comment tu peux pas savoir comment tu payes, gros. Il y a un moment, faut savoir. Ah, mec, ça fait je sais pas combien d'années que je suis là-dedans, franchement. En plus, honnêtement, je vais me barrer de là. J'ai trop de problèmes dans cet appartement, vraiment. Ah, bah voilà. Bah, je sais pas combien de dégâts, un home trainer. Ah, bah, déménage, j'aimerais bien, mais pour l'instant, ils arrivent. Achète une villa. Sans cours. Ouais, t'inquiète, c'est genre, tout ce qu'on est dans la même galère. Hein. On est parti, évidemment, on en parlait tout à l'heure. Avec... Non. Je vais répondre. Non. On est la même galère. On est en train de chercher un appart. Quoi. Ah oui. Oui. C'est plus difficile de trouver un appart que d'autres. Vous savez quoi, réactivité? Pas dit le contraire. 71 mètres carrés. Ça va. C'est propre. Vous êtes quatre. Hélas, oui. L'état du bois est catastrophique. Il y a que moi qui vis dans 15 mètres carrés ou comment ça se passe? Bah, en 27 déjà, j'en comble 3, moi, alors. T'imagines le peu de place qu'il y a. Tu es comédien aussi. Tu es contorsionniste. Tu des places en roulotte. Non, 15 mètres carrés, putain. On a vécu dans 15 mètres carrés, juste. Moi aussi, longtemps. Je viens d'arriver, donc c'est pour ça. Longtemps. Patage. 30. Merde. On parle pas d'âge, je parle pas d'âge. Ouais, j'ai 30 ans, je m'en fous, pourquoi je peux pas dire mon âge? Pareil, chut, t'es vieux, putain, c'est... Bah quoi? Ah, vous me donniez plus jeune? Nanix, il en mode, il y a 40 ans, Nanix. Nanix, il a 65 ans, mec. J'ai 28, ça va, tranquille. La glissade. Non, t'as pas 40 ans. Je sais très bien que j'ai 28, fais pas l'étonner. Mais moi, je sais que t'as le cash, gros, t'es jeune. Ah bah tranquille. T'es jeune, gros. C'est non. J'ai dans mon corps. T'as le même âge que ton nombre de victoires sur fut. Pas mal. Ah bah non hein. Bah si, 20 il aimerait bien hein. 20 ans. Bah si. Oui d'accord, c'est ça. Eh, t'es bon mec. Je progresse ce week-end. Fin du port du masque à partir de demain en extérieur seulement, c'est Jean Castex hein, qui nous le confirme ici. Donc on précise hein, c'est toujours uniquement en extérieur, d'accord, et avec exception faite bien sûr des regroupements, des lieux bondés, des files d'attente ou des marchés. Bon voilà, en gros tu peux sortir ton chien sans masque. Fin. Et aller chercher du pain. Fin du rêve. Voilà, fin du rêve. C'est déjà pas mal, ça fait plaisir à énormément de monde. Et en plus, ça va avec une seconde mesure qui, elle, aura lieu dès dimanche, puisque c'est la fin du couvre-feu. Ah ouais. Au lieu du 30 juin, et ben, ce sera dès ce dimanche. Alors, il y en a certains qui comprennent pas trop. Ils disent, oui, ça change rien. De toute façon, 23h, moi, je suis déjà en train de dormir. Parce que, tu vois, le monde tourne autour d'eux. Du coup, ils se disent, c'est OK. Sauf qu'effectivement, il y a des gens qui ont de très bons arguments, je trouve, qui sont, par exemple, dans le sud de la France et qui se disent, non, nous, gros, déjà, on sort de chez nous, il est 21h. Donc, quand il faut rentrer à 23h, c'est un petit peu chiant. Donc, ça fait plaisir, effectivement, d'avoir ces heures un petit peu décalées. Et c'est vrai qu'avec l'été, les journées se retardent de plus en plus et on a envie de rester dehors un petit peu plus longtemps. Donc, ça fait évidemment plaisir, c'est très très bien. Ça fait bizarre d'avancer un peu la date, quoi. Bah, ça veut dire que les choses... ça veut dire que les mesures ont fonctionné, que les choses vont mieux. Oui, c'est que ouais, c'était ce midi. Alors, je t'avoue, j'ai pas les chiffres. Voilà, ok. Je suis un connard, je pose la question. En termes de chiffres, il disait qu'on n'avait pas atteint... c'est par rapport à août de l'année dernière, en termes de chiffres de contaminés par jour. Donc, c'est pour ça qu'il allège, entre guillemets, le processus dès maintenant. Voilà. 3235 cas hier. Et je crois que la barre visée, c'était des 5000, non? Donc, du coup. On est bien. Et tension réanimation, il en manque plus que 39% en France et 50% en Île-de-France. Donc,
Bon, ça a bien. Alors, attention, ça veut pas dire non plus qu'on est sauvé, tu vois. Alors mais... ça veut pas dire voilà, effectivement relâchement mais... total, tout ça. On essaye de continuer à faire attention. On continue à se bouger le cul pour se faire vacciner. Si toutefois vous avez envie de vous faire vacciner, bien sûr. Ouais. Et puis comme ça, tout le monde est content. Mais voilà, les choses vont dans le bon sens. Cette émission est là aussi pour le montrer, tu vois. Ça y est, on commence à être plus nombreux. Quel plaisir, j'ai hâte, putain, vivement septembre, qu'on puisse faire des trucs un petit peu plus flex. Sur ce, bah oui, il fait chaud, hein, évidemment, on en a parlé. Il fait chaud, il fait même très chaud et certains le supportent moins bien que d'autres. Petit message de prévention pour vous dire que faites attention, évidemment, peut-être aux plus fragiles autour de vous. On pense peut-être aux personnes âgées, mais aussi à vos animaux, hein, bien sûr, qui, ne l'oubliez pas, galèrent en ces temps de chaleur sordide, comme par exemple ici, c'est un husky, je crois, hein, qui... Il est vivant. Il est vivant. Là, il optimise. Là, on dépense le moins d'énergie et on ventile. Il optimise à mort. Max surface. On est très, très bien. Et t'inquiète qu'avec la Ragnar, là, avec la clim, on avait une petite clim portable en attendant la grosse clim qu'on a fait fonctionner récemment. Il a très vite compris, parce que d'habitude, il se met dehors pour prendre l'air. Ouais. Là, il a très vite compris que pour prendre l'air, il faut rentrer. Voilà, donc il se bat pour rentrer et c'est évidemment tant mieux. Moi, Ted ! Oui. Et comme on était un petit peu dans cet esprit canicule, liberté, etc., et bien la fête de la musique bientôt qui va avoir lieu. Voilà. Donc c'est oui. Eh oui, faut pas oublier que la fête de la musique, c'est là, c'est le 21 comme tous les ans. Ah oui. Lundi. Je crois le 21. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est le jour de l'été, le premier jour de l'été. Ouais. Oui, c'est le 6 d'été. C'est le jour le plus long. C'est pour ça qu'ils enlèvent le couvre-feu, du coup. Il faut savoir que oui et non, parce que quand tu iras, alors là, ça va être une fête de la musique un petit peu particulière parce qu'il n'y aura pas de concert autorisé dans les rues. Non, mais c'est terrible. C'est une fête de la. Sans musique. C'est la fête de la musique du droitier. Non, mais c'est la fête de la musique le petit doigt en l'air. Parce que clairement, en fait, c'est que dans des endroits presque clos. On est assis, donc c'est à l'Olympia, à la Maison de la Radio, à Roland-Garros. Bref, c'est qu'à des endroits bien précis, bien huppés, bien open. D'accord, donc les mecs qui sont en terrasse de bar avec les enceintes ramenées là, c'est zéro. Ah c'est fini ça, non mais non, ça oui. Mais t'es sûr parce qu'ils ont installé un truc devant la mairie d'Anières. Parce que Balkany, il a dansé sur Bosch l'année dernière. Genre ils ont installé juste pour en fait la musique, mais il n'y a pas de musique. Non, en fait il y aura des endroits bien précis où l'autorisation est donnée pour la fête de la musique. Il faut impérativement que les gens soient assis. Si tu n'es pas assis, c'est cuit. Ah oui, c'est pour ça qu'ils ont barricadé. Ils ont tout barricadé et foutu des chaises partout, j'avoue, t'as raison. Les mecs sont assis et tout, à un moment ça commence à partir. On est là. Le petit délire. Ouais. 135 balles. Assis-toi ou j'arrête de jouer. La danse de la chaise, quoi, incroyable. Et qui danse comme ça. Le monde d'après, on s'éclate. Alors, sachant que le monde d'après est encore là parce qu'il faudra avoir le masque. Non, mais... Et surtout pour accéder à ces zones, il faudra avoir le pass sanitaire, donc au moins une dose de vaccin. Je pense qu'on va juste se mettre sur Spotify dans son canapé, ce sera très bien. Moi, je vous conseille effectivement inviter des potes, prenez des cahuètes et faites ça chez vous. Mais au pire, cancel. Regardez l'euro. En vrai, en termes de com. En fait, plutôt que faire un truc à demi, à demi où tout le monde ça casse tout le monde les couilles, et puis enfin ça casse les couilles à tout le monde, et de toute façon tout le monde sera dans les rues avec des trucs. Mais oui. Soit tu dis tu cancels, soit tu dis tu fais un truc. Ah oui, mais ça sert à rien comme ça. Je trouve ça débile de dire. Enfin non, mais. Bon, c'est pas vraiment le message à donner. Ou alors, tu regarde la police va pas verbaliser tout le monde. Non, mais la raison, c'est une manifestation, les gens ont envie de sortir et danser, de s'éclater avec de la musique. Soit tu leur dis, tu peux pas le faire à moitié en vrai. C'est compliqué d'éduquer les gens et leur dire de le faire à moitié. Non, puis attends, t'as quand même des concerts qui méritent le fait qu'on soit là, on est collé serré, enfin tu vois, il y a une ambiance quoi. Je pense que ça, c'est une mesure. C'est lourd, regarde. Je pense que j'adore. J'ai envie de baiser, Ted, mais doucement. On s'enjaille, mais doucement. La voilà. Team GB. Non, mais ce que je dis, c'est que tu vois, je trouve que c'est un peu dommage de. Là, les mesures entre guillemets s'allègent et direct, allons tous baiser dans les rues. Enfin, tu vois, entre guillemets. Oui, mais j'ai jamais dit ça. C'est l'escalade. Oh,
Il vit le déconfinement en x2. C'est monté très très vite. Rizzo nous précise dans l'oreillette que c'est aussi parce que dimanche, il y a les législatives. Et ouais, ça explique bien peut-être un petit peu plus pourquoi on autorise. C'est bien. Voilà. Un petit peu tout. Ouais. Ah, qu'est-ce que tu veux, les gens ils sont toujours là, essayer de gratter peut-être un vote ou deux, voilà, de personnalité. Non, vous n'aurez pas mon vote. Que... Vous n'aurez pas mon vote. Vous aurez ma danse. Attends. Cela dit, législatif mon cul, parce que la fin du couvre-feu là, c'est dimanche matin à 6h. Yeah, sauf non. Que législative à 20h c'est terminé, non? Donc le 23h il gênait personne. Ah, le port du masque, oui. Bah, faut faire la queue pour voter. Donc, oui, donc c'est le masque. La queue, c'est le masque. Au final, vote pas dehors. Non, mais. Walou. Donc, voilà, donc, alors après il y avait une petite initiative que je trouvais intéressante. Il y a une marque de glace bien connue, bon elle nous a pas payé donc je n'hésite pas, qui va faire un petit événement très sympathique à la Villette. Glace virement. Ah, on peut citer. Et ben, c'est le virement qui part. Oui, qui va faire comme chaque année un petit événement à la Villette. L'année dernière ils avaient fait quelque chose pour le grand bain, c'est-à-dire que bah, dans l'eau on pouvait se mettre avec des énormes bouées, etc. C'était tirage au sort, bonne ambiance, bref, pour la fête de la musique. Et là cette année ce qu'ils font, c'est qu'ils prévoit des bateaux pour faire eh bien, du karaoké sur le film Mamma Mia. Voilà, donc vous pouvez postuler, c'est ce gratuit. Sera sur Twitch ou pas? Tirage au sort par Agendas demain, donc vous pouvez encore aller vous inscrire là maintenant tout de suite. Oh. Il y aura 130 gagnants qui pourront y aller. Attends. Et donc il y a matière à se faire un petit délire. Voilà, je trouvais que c'était l'initiative qui sortait un petit peu du lot par rapport à tout ce qui était proposé, entre autres sur Paris. Les gens, n'hésitez pas en province à aller voir ce que fait votre ville, bien sûr. Voilà. Évidemment. On me présente que c'est les élections, c'est pas les législatives, c'est les régionales, les départementales. Départementales, des élections que tout le monde connaît. On est bon. Ted, est-ce que tu veux autre chose? Oui, alors bon, parlons peut-être un chouïa cinoche, parce qu'aujourd'hui on est sur une journée noire du cinéma. Il faut se dire que d'habitude on a entre 5 et 6 sorties de films, et aujourd'hui, à cause du fait que bah, le Covid a eu lieu et qu'il y a 400 films mis de côté, aujourd'hui il y a 11 sorties de films. 11 sorties. Bah oui, sorties. Comment font les films qui veulent rester à l'affiche? Ah ben bah ça dégage. Non mais il n'y a même pas de. C'est si merci. Tu veux c'est voir le film que tu nous as conseillé la dernière fois, c'est Dieu terminé, les cons. Ah non, Dieu les cons est encore là. Non mais il y a film. Et il y a film. Oh. Il y a film. Et il y a film. C'est quoi qui dégage alors? Bah, je ne sais pas moi. Les films. Ceux qui n'ont pas bien marché, bordel. Par exemple, la petite fille qui courait sur la rivière. Ça bah voilà, c'était très sympathique, mais voilà. Ça a dégagé. Voilà, elle va courir ailleurs. Elle va aller courir, mais à la salle, là, ça roule. Exactement, parce que là, il y a du gros qui arrive, tu vois. Mais en plus, quand je te dis 11, c'est vraiment. Là, je vais vous les citer à la volée comme ça. Là, alors, ce qui est intéressant, le document que je vous montre, c'est le document qu'on a au HAL, parce que toute l'industrie se fixe sur ce document-là pour savoir si un film ou pas va bien marcher. C'est le mercredi à 9h, et c'est pour ça que les gens, bah, par exemple, dans 10%, vous voyez, ils vont acheter des places, etc. Et en gros, la presse se base là-dessus. Là, par exemple, on peut se dire que les deux Alfred, qui ont donc 54 personnes qui ont été voir la première séance à 9h, vont sûrement faire un excellent score en termes d'entrée au cinéma. Ah ouais. Et ça, c'est genre, c'est vérifié. C'est fiable, ça, c'est fiable. Il y a 54 connards qui ont décidé d'aller voir ce film-là. Exactement. À ce moment-là, alors exactement. Que les 4 qu'on voulait aller voir Douce France. Alors, France, c'est des bouffons. Bah, Douce France, la semaine prochaine. Au revoir. Salutations. Salutations de Douce France. Bien. Mais non, mais voilà, c'est un document qui est hyper important pour le milieu, parce qu'il y a beaucoup de budget et de choses qui se jouent grâce à ce document-là. Et tous les mercredis à 9h, UGC Léal. Et donc, si c'est UGC le patron. Bah, c'est France. Un peu comme ça, ouais, que les films sont notés et jugés. Un panel représentatif de spectateurs. Tu te rends compte du pouvoir qu'on donne à 50 mecs? Cumule tout. Et c'est surtout même oui, pouvoir que tu donnes à un cinéma. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que si à un moment donné, je me chauffe, il y a un film qui sort, j'ai très très envie de le booster. Douce France, ça veut dire que je chauffe les réseaux sociaux à blanc, je suis en mode venez, on y va tous ensemble, mercredi matin, 9h, énorme, on fait une fiesta, je vous paye à bouffer derrière, je remplis la salle, je mets 200 personnes, mais c'est le film mais suce la bite. Je vais pas te vendre la mèche, mais c'est ce que font certains membres du Cinoche. Ça sert tu l'as dit, ils le font dans 10%. Mais oui, ils achètent par exemple, il y a 15-20 places peut-être, où il n'y avait personne, mais on a acheté 15-20 places. Non, mais ça se base sur le fait de vendre une place, bro. Mais bien sûr que c'est la vérité. Mais ça sert à rien si tu fais ça ponctuellement. Mais Ted, ça n'a aucun impact. Mais faites-le jouer dans un film. Mais là, tu arrives à Reputation. No, oh my god. Mais Step Pro. Mais what the fuck? Mais Ted, you are stuck in the washing machine. Ah, bah oui.
Non mais c'est... I'm stuck in the sinoche, what are you doing? Mais non, je ne comprends pas. Mais bro, ce n'est pas honnête. Mais comment ça, ce n'est pas honnête? Mais Max, c'est l'industrie. Mais il vit dans la vie de Pichon. Ce n'est pas honnête. Peut-être que tu permets ton amical du dimanche, elle commence vraiment à me saouler. Oui, mais l'amical du dimanche permet que tu fasses des choses le week-end. Honnêtement, les acteurs qui achètent leur propre place, mais ma phobie. C'est hallucinant. Je ne veux plus les voir en peinture, vraiment. Mais bon, voilà, tout ça pour vous dire que oui, c'était un peu un secret de polichinelle, parce que voilà, maintenant c'était dit dans 10%. Mais oui, on donne énormément de pouvoir à ces chiffres qui sont donnés au UGC Les Halles. Il y a un seul cinéma qu'on regarde, on regarde pas les autres. Oui, c'est même pas une moyenne de tous les UGC. Non, quoi. On regarde UGC Les Halles parce que c'est depuis des années, des décennies, c'est le cinéma qu'il faut regarder pour savoir si un film va fonctionner ou pas. C'est où? Et c'est véridique. C'est pas sûr, parce qu'à l'Olympia de Dijon, gros, il y a du monde, crois-moi. Non, la place d'Arcy, il y a un ciné, gros, il fait les tendances hein, autour de la Bourgogne-Franche-Comte. Sur le mercredi matin, en tout cas, nous, c'est les chiffres que le milieu, on regarde. Nous, tous les matins, tous les mercredis matins, on regarde et on se dit, OK, celui-là, il va rester, celui-là, par contre, bon, ça va partir. Et des fois, ça influe un petit peu sur qu'est-ce qu'on va voir et qu'est-ce qu'on va pas voir. Voilà. Oui, honnêteté m'intéresse donc, le chat. Pour vous donner un petit peu l'idée, il y a de tout qui sort là ce mercredi. Il y a de la comédie française, oui, en contre, avec Un tour chez ma fille, qui est la suite d'un film avec Balasco. Il y a Les deux Alfred, il y a Médecin de nuit, il y a Cinquième Set avec Alexus qui est. On dirait que des titres de films porno, gros. Cinquième Set, c'est dans le rôle de Alexus. Cinquième Set, c'est pas mal. Cinquième Set, c'est avec Alexus. Un tour chez ma fille, Cinquième Set, oui, oui. Cinquième Set, c'est pas mal. For One Million. Ensuite, il y a surtout des films de genre qui sortent. Il y a Sans un bruit 2 que tout le monde potentiellement attend. Si vous n'avez pas vu ce film, c'est incroyable. Titre. Enfin, un film où vaut mieux que les gens ferment leur gueule pendant la séance. Mais ça, on en a parlé pendant la fête des mères. Le premier était très très bien. Et le deuxième est très très bien également. Et ben je vais foncer le voir. Il y a La Nuée aussi, qui est un film français avec des grillons mangeurs d'hommes, qui est très intéressant. Et on a surtout le nouveau Guy Ritchie, donc oui. C'est le papa de Snatch, okay. C'est le papa de Arnaque, Crime et Botanique. Les gens, il y a le fameux Homme en colère avec encore une fois Statham en tête de gondole. Tu l'as vu? Je l'ai vu. Jason Statham, oh il est en colère. Regardez, il est en colère. Attends, remets quand il est en colère. Abuser, c'est simple, tu peux le dire ou je le dis. C'est le remake américain du film Le Convoyeur. Exactement. Avec Albert Dupontel. Ah d'accord. Si vous avez vu Le Convoyeur, vous connaissez un peu. Ah mais c'est un film énervé alors. Et ah, honnêtement, oui. Kai Uchi, qui a fait notamment The Gentleman, c'est son dernier film aussi noche. Il signe. Enfin moi je trouve que la mise en scène du film est très très bien. Compte tenu du pitch et de l'histoire de base. Alors Jason Statham, il fait du Statham, c'est-à-dire qu'au niveau acting, c'est pas. Pardon. Quoi? Quoi? C'est ok vrai. Marie, ça fait plaisir en régie. On veut tous baiser, mais on va finir de l'émission quand même, Marie, si tu veux bien. Je vais reprendre mes propos. Après, c'est vrai. C'est vrai que Jason Statham, par contre, ma. Je lui crois très bien les têtes. Hein. En acting. Tu valides Jason Statham? Écoute, Jason Statham est validé. C'est validé ici. Non, vraiment le film est cool. Attends, par contre, tu viens de dire que tu tires dessus là, Jason. C'est-à-dire que l'acting de Jason Statham est pas bon. Qui vide son chargeur. Je suis en train de te dire. Alors que dans le transporteur, il arrive, il fait. Il attends. Nous transporte. Non. Attends, ça sort du pressing. On dirait qu'il veut. Je vais pas spoil le film, mais disons que il est censé faire. C'est un choix d'écriture après. Il est voilà, censé. Voilà, bah voilà, dis ça. Mais il va voir, t'as avalé Lupin, donc ça va peut-être aller. C'est pas de la faute de Jason. Sur les c'est pas de la faute de Jason. Jason est dans le top. Ouais, il fait du Statham, quoi. Voilà. Mais bah oui, et comment il s'appelle? Ça veut dire que c'est le meilleur. En vrai, le film est archi cool. Et il y a le fils de Clint Eastwood dedans, et lui. En termes de sex appeal, c'est quelque chose. Ah ouais? Le fils de Clint Eastwood? Ouais. Il n'y a pas genre déjà 60 ans le fils de Clint Eastwood? Du tout. C'est Clint Eastwood. En tout cas, il a la tête de son âge. Voilà, c'est. Il a la tête de son âge. Clint Eastwood, quoi. Vraiment. Donc et, voilà, donc je ne peux pas entendre cette. On va pas voir tout le film, vas-y, coupe-moi ça. Là, on est servi. On peut remanger du popcorn d'ailleurs. On peut reboire des boissons. La jauge est remontée à 60%. Quand c'était 30%, on est à 60%. Refumer et rouler dans les salles. On peut éventuellement. La France se libère. Mettez votre flash évidemment. La mise est autorisée sur les sièges 47 et 48. Bref, voilà, ça y est, c'est le moment où il faut arrêter d'aller au ciné. C'était la pire phrase que tu viens de me dire là. Non, mais franchement, aller au cinéma, c'est aussi pour partager un moment avec les gens. Non.
Bah si, putain, non, c'est pour non, non, non. Ah ouais, non, bah non, moi, non, j'adore. Si, à part certains films des avant-premières. Oui, bah voilà. Sympa, ouais, mais ouais, tu vas avec des trucs stylés passionné, comme ça, les oui, gens, oui. Des gens. Mais quand tu vas et que quand tu j'ai mon ami la sonnerie de téléphone du mec en face, oh, qui sort son nouveau film et que je veux apprécier sa prestation, je m'en fous d'avoir Jean-Patrick à côté qui prend des photos. Eh ben on en reparlera au mois d'août. Voilà. Ça sera bien. Il prend des photos. Mais non mais ça m'a choqué parce que c'est. Ça s'appelait Jean-Patrick. J'ai vraiment. Oui. Quoi? JP. Ne me lance pas. C'est un truc que j'ai vécu. C'est-à-dire qu'il prend des photos un de couple, quoi il prenait des selfies avec le flash dans le ciné pendant le film. Pendant je te jure, mais est-ce que t'as fait une pique-nique? Tu t'es levé, tu leur as dit les gars, qu'est-ce que vous branlez? J'avais très envie et ma femme m'en a empêché. Quoi. Elle était en mode ne fais pas ça ou je me casse. T'as retenu. Moi j'ai pris des jeux de dragibus dans la tête comme ça pendant le film. Quoi? Des mecs au fond s'amusaient à balancer des dragibus sur les gens. Oui, j'ai déjà pris. Moi, il y a un mec qui a eu la sécu, t'es intervenu, quoi. Non, en vrai, moi, il y a un mec à un moment, derrière moi. Non, mais il y a des mecs... Il y a des mecs fous. Il y a un mec derrière moi, il m'a carrément pissé dessus, genre. Comment ça? Mais quoi ça? Ah, le film est à chier, j'ai plus dessus. On va voir s'il réagit. Après tout, ils disent rien sur les bons becs. Non, par contre, je suis déjà allé une fois. J'espère. Non, évidemment. Non, mais je suis déjà allé une fois au ciné. Et j'avoue, on était des petits cons. Hein, mais avec un pote à l'époque à Besançon, on est allé voir un film, je sais même plus lequel. Et on était trois dans la salle, nous deux et un mec. On l'a fait rage quit. Oh non, on était en mode putain, ce serait trop bien si on était genre tout seul. Du coup, on s'est mis tout au-dessus, on faisait des, tu sais, les petites ombres de chiens sur le truc. On avait 12 ans. Attends, le mec a pas été chercher quelqu'un du ciné pour vous goumer vos mères? Ah non, il a cherché son manteau, il est parti. Et on était en mode. Et quoi, non? La sécu, mon manteau, la sécu. En fait, s'il nous avait dit. En fait, c'était une. Désolé, mais ça avait l'air d'être une victime parce qu'il nous a rien dit. J'aurais dit juste parti, donc on était en mode. Bouli que ça arrive. Le four. Mais on était jeunes. On a Dwayne Johnson dans la salle. Ah, c'est vrai. T'es pas le mot avec lui, quoi. Ça se trouve, il est juste parti parce que le film était à chier. Surtout, il dormait. S'il voyait que ça du film, je pense qu'il devait le trouver à chier. Donc du coup, le choix qu'on a, Xari, c'est soit on dit rien, on est une victime, soit on gueule et on risque de se faire maraver nos mères. Bah non, mais attends, deux gamins de 12 ans, en gros, il va rien maraver du tout. Vous, peut-être, mais c'est pas toujours des gamins de 12 ans. S'ils avaient dit arrêtez, on aurait fait oups. Et sauf que là, il. Ah, juste dans le charisme le plus. Bah non, mais en fait, il disait rien. Tu sais, quand t'es jeune, tu veux voir un peu la limite. T'es en mode, bah, est-ce qu'il va faire un truc, le mec? Franchement, en vrai, aussi noche, quel que soit l'âge, quand les gens sont cons, ils sont vraiment relous. Parce que quand tu leur dis de se taire, c'est en mode, t'as vu, hey, chute, tu dis chute, chute. Il a dit chute, chute. Non, mais là, relou, à ce moment-là, tu te lèves et tu caches la moitié de l'écran avec ton corps et tu fais, maintenant, ça va se fermer, sinon, ça va partir. Je te promets que des fois, les gens n'ont vraiment rien à faire. Non, mais après, c'était pas. Je te promets, c'était pas un grand film. Ça devait être Camping 3. On était allé au ciné parce qu'on se faisait chier. On attendait le père de mon pote qui devait faire un truc. Et donc, deux, on était en mode bah, qu'est-ce qu'on fait? On va au ciné. Vraiment au ciné, évidemment. La classique. Mais c'est la séance de 10h d'hume. Il n'y a personne. Oui, il n'y a personne, c'est vrai. Peut-être t'as autre chose, un autre truc. Une petite dernière, puisqu'on est en train de parler de vacances. Oui. J'ai les potos David Mourier et Thomas Combray qui sortent un carnet de voyage. Voilà, c'est les gens qui font Bad News pour ceux qui connaissent un peu. Tous les mardis à 17h45, une nouvelle Bad News sort. Alors, on peut pas montrer d'image parce que comme vous pouvez le voir c'est le cahier de vacances trash, voilà, toutes les pages sont à base de dessins obscènes et de questions et d'autres vraiment très très limites, mais en tout cas les copains ça sort aujourd'hui, voilà, donc n'hésitez pas. C'est David Mourier, hein. S'il n'y a pas une bite sur une page, c'est pas lui, quoi. Bah, déjà, si tu zoomes, il a une énorme bite sur son front. Voilà, évidemment. C'est David, quoi. Donc, effectivement, pour parler un petit peu du projet, voilà, Bad News, c'est de l'hebdomadaire. C'est, entre guillemets, des petites pastilles sur de l'information un peu insolite. Voilà, des gerbilles qui se glissent malencontreusement dans des nunus, des choses comme ça. D'accord. Bref, plus c'est trash, mieux c'est pour Bad News. Et donc, ils ont sorti eh bien, ce fameux cahier de vacances pour les adultes, bien sûr. Et donc, c'est toujours l'occasion de se marrer un petit peu. Ça fait du bien en ce moment. Voilà. La classique. On va faire une pause sur les tweets, si vous le voulez bien, parce que je vois que le temps file. Et quel plaisir d'être en si bonne compagnie, parce qu'on a beaucoup trop de contenu. On va directement, je pense, passer au quiz. Mais alors on va passer au quiz, parce que sinon, je pense qu'on va se le faire sucré. Et franchement, on serait extrêmement déçus. Ce serait bête, bien sûr. Du coup, on va faire un petit swap de place, puisque Jiraya va venir à la place de Xari ici. Et nous avons constitué
deux équipes. Mais non. À ma gauche, nous allons avoir Nanix, Ken. Mais on a perdu en fait. À ma droite, nous allons avoir Sunday, les gars, bah, Jumpé. On est là. On est là, nous. Et Zari. Et Zari, tu vas voir que non, ce n'est pas perdu. On a les parce trentenaires que... contre les gars. Non, non, non. Mais ça ne veut rien dire parce que tu vas voir que les règles. Les trentenaires contre nous, les jeunes. L'expérience oui, oui. contre la... Les règles sont un peu particulières. Tu vas voir que ce n'est pas forcément ça qui va jouer. Et d'ailleurs, Jiria va vous expliquer tout ça. Ce ton solennel. Un jingle. Oui, bonjour à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue dans ce quiz qui n'est pas un mardi, qui est un mercredi aujourd'hui, évidemment. Et donc, pour changer un petit peu les règles, puisqu'on est bien plus nombreux aujourd'hui, ne participe pas, Max. Il n'y a pas de problème, je t'accompagne dans cette débat. Eh bien, tu es fort aimable, nous avons la team que j'ai intitulée... Je vais compter les points, tiens. Les nouveaux, parce que vous n'avez pas l'habitude de faire le récap le mardi ou le mercredi, généralement, et de participer à ce quiz, donc je vous ai placés ensemble. Je sais qu'on a une grosse dose de culture G, tu avais déjà participé à un quiz, tu avais été monstrueux. Monstrueusement nul, ouais, c'est exactement mais ça. Mais non J'étais prodigieux. C'est mon premier. C'est le premier de Nanix. Ken, je crois que c'est ton premier aussi. Nanix, c'est prodigieux. Ici. C'est prodigieux, mec. Mais après, je pense que vous êtes très très bon. Et à ma droite, bon, ils ont l'habitude de me présenter. Non, Sunday, c'est son premier quiz. Ils ont l'habitude. Ouais. C'est vrai, quoi. Tu fais pas le mardi, tu fais le mercredi. Ça va être ta première. Mais tu es avec Zari, donc, qui est. Bah non, mais c'est vrai, on peut dire. Le meilleur joueur de quiz qu'on a actuellement. Les hommes mentent pas les chiffres, puisque les stats le prouvent encore une fois, tu es top tier. Donc tout va bien se passer. Aujourd'hui, on a encore 8 thèmes. Et aujourd'hui, les règles changent un tout petit peu. On a toujours la règle de la streak, hein, bien sûr. Vous allez choisir à tour de rôle, et on va commencer par vous d'ailleurs, par choisir un thème. Vous allez choisir qui va participer à ce thème. Oh, d'accord, mais comme vous avez bien suivi, il y en a 8 au total. Il y aura un thème où vous allez tous pouvoir participer en même temps, en équipe, bien évidemment. Et ça, c'est bon. Est-ce qu'on peut afficher les thèmes en Regi, s'il vous plaît? Voilà, qui apparaissent directement. Oh là, on est bien, là. Ah, et comme vous pouvez le voir, nous avons... Bon, le premier c'est thème, c'est... C'est terminé. Laissez-le, évidemment. Nous avons les comédies romantiques au cinéma, les jeux Dreamcast, les géants dans la culture, montagnes réelles et fictives autour du rugby, télé-réalité fictive, le et Wano, télé, l'année 1974, et le quiz mystère, bien évidemment. La totalité des quiz, j'imagine, ont été écrits, bien évidemment, par David, l'incroyable David from France. Je vous donne la parole en premier. Qui va commencer déjà chez vous? Qui veut se lancer, si je puis me permettre? Moi, je peux y aller, hein, si tu veux. Donc, tu donnes la main à gauche? Je donne la main à gauche. Non, on était déjà en train de se concerter, de voir un peu nos forces et nos puissances. C'est une seule personne qui répond à chaque fois? Pour rien écouter, oui, l'instant, oui. Il a rien écouté, c'est à nous de commencer. Alors, est-ce qu'on peut se concerter sans le micro, du coup? Juste du concertez-vous. Est-ce que tu pourrais rappeler, peut-être pour mes jeunes camarades, parce qu'ils n'ont jamais fait de quiz, ce qu'est la règle de la Trix? S'il te plaît. La règle de la tweet. Ah, mais choisissez votre thème déjà. Choisissez d'abord votre thème. Alors, le thème, c'est toi qui veux y aller. Les jeux Dreamcast, je vais sur les jeux Dreamcast. Tu vas sur les jeux Dreamcast, tu prends le lit ici. Ah, dégoût que j'allais prendre. Il est très drôle. J'allais le prendre. Pas en solo. Non. Ken, évidemment, t'as déjà eu l'habitude, puisque tu as d'ailleurs, entre autres, remporté un grand quiz, évidemment. Donc, c'est l'équivalent de la deuxième manche. Tu as 90 secondes pour répondre à 10 questions. Si tu te trompes, où que tu passes, bien sûr, tu es baisé. On reviendra qu'une seule fois. D'accord. La règle de la streak, il n'y en a qu'une par équipe, évidemment. C'est tout simplement, si tu as réussi à enchaîner les bonnes réponses, 5, 7 ou 10, faisant le perfect, tu as des points bonus. Si tu passes ou si tu falls, si tu échoues, malheureusement, la streak est down. C'est vraiment faire le sans faute. Vous en avez qu'une par équipe, donc... Est-ce que tu te sens prêt à la claquer peut-être pour ton équipe, ou est-ce que tu as envie de la laisser à côté? Je ne sais pas. C'est un choix cornélien, mon cher Ken, qui nous fait un AVC en live. Pose le micro. Évidemment. Ah! On les laisse. Frérot, alors là, vous pouvez prendre votre micro. Mets la main devant la bouche, parce que je vais voir ta strat, là. On est en Ligue 1, gros. On les laisse. On les laisse, bien sûr, se mettre en place. Évidemment. On peut revoir les thèmes rapidement, très rapidement. Vas-y. On peut les rafficher, effectivement. Ouais. Comédie romantique au cinéma, les jeux Dreamcast, les géants dans la culture populaire, montagnes réelles et fictives, autour du rugby, télé-réalité et jeux télé, enfin, l'année 1974. Et le quiz mystère, bien sûr. Allez, je prends un peu de cap, s'il vous plaît. Oh, ouais, je sais.
C'est histoire de gueuler. Tu prends la strique. Tu prends la strique. Et oui, décisé. On lui laisse. Nous sommes joueurs et prends la strique. T'as bien raison. Okay. 90 secondes, Ken. Les jeux Dreamcast, es-tu ready? Ouais. Tout Rumble, même. Un jeu Dreamcast. 3, 2, 1. Quel jeu Sega, sorti en 1999, était le premier épisode 3D des aventures du célèbre Hérisson Bleu? Ah, Sonic Adventure. C'est une bonne réponse. Quel jeu de combat faisant suite au jeu Soul Blade? Soul Calibur. C'est une bonne réponse. Quel jeu développé par Hitmaker, sorti en exclusivité sur Dreamcast en 99, proposé aux joueurs d'incarner un chauffeur de taxi roulant... Crazy Taxi. C'est une bonne réponse. Quel RPG japonais de Yu Suzuki, dont le premier opus est sorti? C'est une bonne réponse. Quel shoot'em up développé par Treasure... Ikaruga. C'est une excellente réponse. Dans quel puzzle game développé par la Sonic Team devait-on guider des petites souris vers... Chouchou Rocket. C'est une excellente réponse. Quel jeu de rythme sorti sur Dreamcast se jouait avec des manettes en forme de maracas? Samba des Amigos. C'est une bonne réponse. Comment s'appelle la ville que l'on parcourt dans le jeu Jet Set Radio? Oh putain, ça c'est du... Neo Tokyo. J'ai... C'était deux des personnages du roadster du premier Power Stone. Oh merde, ça passe. Quel musicien et game designer japonais a créé le jeu expérimental Rez sur Dreamcast en 2001 et plus récemment le jeu Tetris Effect? Passe, je l'ai plus. Donc comment alors, on va revenir à citer deux des personnages du roadster du premier Power Stone. Eh bien, Yang et désolé. Non, malheureusement, il y avait. Ah, il y avait Falcon, Ryoma, Wantang, Galuda, Rouge, Jack, Gunrock, Valgas. Ouais, Galuda, Gunrock, j'aurais dû dire. Les noms, c'est noir. T'as été très fort. Alors, j'aimerais quand même, je sais pas si David est là, mais parce que tu m'as dit Neo Tokyo, il m'a marqué Tokyo To sur le nom de la. Ouais, la c'est Tokyo si quelque ça... chose. En fait, Tokyo To. C'est pour ça que j'étais un peu. C'est la traduction américaine, mais. Mais ça fait 8. Le joueur de Tilt. Est-ce qu'il tente? C'est un New Tokyo en fait. Alors tu sais quoi, de toute façon ça ne changeait rien puisqu'après t'avais fait une faute et t'aurais pas eu une streak parfaite, mais t'as la deuxième streak, donc plus 5 points pour ton équipe. Et merci, ça c'est extrêmement beau. Cool. On va dire pour l'instant 7 plus 5, ce qui fait 12 points, et on va voir si du côté David tu peux prendre le 8ème. Voilà, ce sera soit 12 soit 13. En tout cas, bien joué. Ken qui commence fini. Tu me redonnes le créateur de Rez quand même s'il te plaît, que... Oui, excuse-moi. Tetsuya Mizuguchi. Merci. Voilà, c'est pour moi, c'est cadeau, c'était un ami. À ma droite. J'aime plus. Qui commence? Qui prend quoi? Pour revoir les thèmes, parce qu'on n'en a pas. Vous, bon, on les a pas montrés. Alors, du coup, les comédies romantiques au cinéma, montagne, pardon. Prends-toi en face, soyons beaux joueurs. Autour. Comme on a un peu réfléchi à voix haute, tu devrais savoir, tu mais. Savoir, ah, j'écoutais pas. Alors, qui va commencer déjà chez vous? Je sais pas. Faut qu'il y en ait un de vous deux qui fasse le thème mystère. Je vous emmerde, hein. Vous me le dites. Ouais, on peut tenter. Allez. Sunday, au pire, fait le thème mystère. Hein. Ah, ça. Tu vas être abattu. Sunday, thème mystère, streak. La totale. Ouais, je sais pas. Dangereux. C'est quoi le thème mystère? Chut, ne dis rien, mais. Bon, vas-y, je vais prendre jeu télé-réalité, mes couilles, là. Jeu voilà. Télé-réalité. Tu caries. Télé-réalité et concours télé, alors. D'accord, très bien, mais qui s'y colle? C'est toi? Moi, ouais. C'est toi? Streak? Mais il vaut mieux streak quand on est trois, non? En vrai, j'avoue, c'est pas peut-être mieux. Sachant que ce que je n'ai pas ajouté, c'est que quand vous allez jouer à 3, on n'aura pas besoin du chrono. Hein, 90 secondes, on pourra prendre un peu plus son temps. Il n'y aura pas 90 secondes à 3. On savait pas ça. C'est moi qui, parce que sinon c'est le bordel. Ok, merci de remonter les règles. Merci, c'est gentil. Non, non, il y a mieux de dire. On garde parce que je suis pas. Honnêtement, il y en a beaucoup des jeux de télé, je suis pas sûr. Nouvelle règle pour une nouvelle. T'es arbitre France-Allemagne, toi, non? Vas-y, non, on streak pas. Pas de streak? Non, non, mais. Ok, Xavier. On prend un thème pour m'embêter, on ne streak pas, je suis déçu. Pour t'embêter, gros, tu veux. J'ai dit jumper. 3. 2, 1, et on y va. Qui présente Tout le monde veut prendre sa place et n'oubliez pas les paroles? Nagui. C'est une excellente réponse. Dans Le Maillon Faible, quel mot devaient prononcer les candidats s'ils voulaient... Pense. C'est une bonne réponse. Un Zoulou. Quelle chanteuse française a remporté la première saison de la Star Academy? Jennifer. C'est une excellente réponse. Dans Attention à la marche, comment s'appelaient les personnages en 3D représentant les vies restantes des candidats? Les potes. Les petits potes, exactement. Comment s'appelle la version française de l'émission Survivor, diffusée pour la première fois? Pardon? Koh-Lanta? Excellente réponse, bien sûr. Quelle émission de télé-réalité, pendant sa première saison, se passait sur un bateau traversant les Caraïbes, dans lequel quatre jeunes filles ont pour mission d'être l'homme
délire pardon, l'homme idéal parmi une quinzaine de prétendants. Quoi ? Greg le millionnaire ? Je sais pas. Qui a présenté les deux éditions de l'émission Le plus grand quiz de France sur TF1 ? Le plus grand quiz de France ? Ouais. Ouais, Carole Rousseau. C'est une mauvaise réponse. Quel était le nom de la youtubeuse Andy Raconte dans son passage à Secret Story ? Nadège. C'est une excellente réponse. Quel jeu présenté par Sébastien Follin de 2012 à 2018 demandait aux candidats de reconstituer des mots à partir d'anneaux contenant des syllabes ? Ah, je l'ai déjà vu, mais le nom du jeu, gros, c'est le slam du Wish. Ouais. De quelle émission japonaise LOL Kiri sort est-il une adaptation ? Tadeba, je sais pas. C'est moi qui avance. Quelle émission de télé-réalité ? Pendant sa première saison. Ah, mais ça c'est sur un bateau traversant l'île de la Tentation. C'est une mauvaise réponse. C'était, tu l'avais. C'est très dur. Opération Séduction. C'est pas évident. 8 points. Pas évident. En vrai, les questions, elles étaient graves dures. Non, parce que j'ai pas striqué. 8 points, il fait 6 points. Bon call de l'avoir pris. Il a pas striqué. 6 points. En vrai, ça va. En fait, les trucs que j'avais pas la réponse, je l'aurais pas eu. On est donc au grand gars. Alors, le plus grand quiz. Quelqu'un avait l'animatrice ? Le plus grand quiz de France. Moi, je pensais à Carole Rousseau aussi. C'est ça, c'est le grand concours des animateurs. Ça fait pas beaucoup, mais du coup, c'est pour ça. Non, c'est Sandrine Quétier. Ah oui. Ouais, bah, mais alors personne s'en souvient de ce quiz. Donc du coup, forcément, c'est pas évident. C'est le nom de présenté par Sébastien Follin. Non, mais je te dis, c'est slam du Wish, mais. C'était Harry. Quoi? Harry. Harry. Sois digne. Comme Harry Potter. Ah, exactement. Avec le petit visage. C'était quel? Et l'émission japonaise, tu l'avais? L'émission japonaise, absolument pas. Non, c'est quoi, c'est Takeshi Castle ou... Non, c'est s'appelle Kirisor. C'est même pas un nom. Ouais, non, c'est documental. Voilà, okay, bon, c'est impossible. Mais c'est pas mal. Ouais. Sinon... Il reste une streak ici, il reste une streak. On peut repasser côté gauche, messieurs, Nanix ou Ted qui part. Est-ce qu'on peut voir les thèmes? Non. Ah, si. J'en ai ras le cul. Allez. Allez, plein le cul. Allez, il faut choisir un thème. Ok, 3, j'y vais. 2. Je prends la comédie romantique au cinéma. Ah, la comédie romantique. Les comédies romantiques au cinéma. 90 secondes, pas de streak. Est-ce que tu es prêt, Ted ? Je suis prêt. Eh bien, c'est fabuleux. Est-ce qu'en régie, on va afficher devant vos yeux ébahis, évidemment, le chrono ainsi que la scène dans 3, 2, 1. Et c'est tout à fait bon. On y va. 3, ouais. 2, 1, en avant. Quel film tourne autour d'un personnage nommé Bridget, une trentenaire ? Le journal de Bridget Jones. C'est une excellente réponse. Dans quelle comédie romantique des frères Farrelly, le personnage de Ben Stiller fait tout pour retrouver Marie ? Marie à tout prix. C'est une excellente réponse. Dans quelle comédie romantique française, le personnage joué par Romain Duris est un briseur de coups ? L'arnaqueur. C'est une bonne réponse. Quel acteur joue le rôle de William Tackle dans Coup de foudre à Notting Hill ? Putain. C'est un beau gosse, putain de merde. Hugh Grant. C'est une bonne réponse. Quel film de Richard Curtis montre différents aspects de l'amour à travers 10 histoires distinctes de nombreux personnages, le tout se passant autour de Noël. Actually. C'est une bonne réponse. Quel film de Nick Cassavetes avec Ryan Gosling et Rachel McAdams est sorti en France sous le nom N'oublie jamais. Non, je l'ai pas celui-là. Passe. Quel film de Hugo Gélin met en scène L'inconnu. C'est pardon L'inconnu. Mon inconnu, putain. Mon inconnu. Attention, les mots sont bizarres. Incroyable. Évidemment, c'est une bonne réponse. Quel duo d'acteurs est au centre du film Eternal Sunshine of the Spotless? Jim Carrey et Kate Winslet. C'est une bonne réponse. Quelle comédie romantique de Mark Webb débarre avec des intertitres disant que toute ressemblance avec des personnages existants ou ayant existé serait totalement fortuite, surtout avec toi, Jenny Beckman, salope. Je n'en ai pas la moindre idée, mais ça a l'air d'être un très bon début. Pour quelle comédie romantique Jennifer Lawrence a-t-elle reçu l'Oscar de la meilleure actrice en 2013? Non, je l'ai pas. Oh non. Je vais lui dire, c'est mort. Non, c'est mort, mais tu peux le dire pour le fun. C'est pas Happiness Therapy? Tu as Happiness Therapy, évidemment, avec Bradley Cooper. Et Robert De Niro aussi. Il y a Robert De Niro dans le rôle du père, exactement. Alors, les boss de la culture. Le truc de, avec, qui finit par salope, là. C'était 500 jours ensemble. Ah, super, excellent film aussi. Ça me régale, j'ai pas vu. Attends, tu peux redire la phrase? C'était toute ressemblance avec des personnages, surtout avec toi, Jenny Beckman, salope. Ok. C'est propre. Non, mais je conseille. Il était. Elle a dû passer un bon moment en regardant le film. C'est ça. Je vous conseille la comédie romantique. Il était temps. C'est l'un des meilleurs films de comédie romantique que j'ai vu de ma vie. Il était temps. Ça se note. T'es calé toi en comédie romantique. T'as bien géré. Et donc le film de Nick Cassavetes avec Ryan Gosling et Rachel McAdams sorti en France sous le nom de N'oublie jamais, c'était The Notebook. Ah, j'ai pas vu. Aucun regret. Tu fais 7
Magnifique. Cher Ted. Merci. Une excellente merci. Session. Attention en face. Qui de Jumpé ou de... Il faut y aller maintenant. J'ai envie de crever là actuellement. Tu voulais prendre comédie romantique ou... Ah non, mais alors j'aurais fait zéro littéralement. Hein, donc je suis très heureuse de ne pas avoir 74. Je vais peut-être easy. Te laisser. T'as un thème. Allez, Jumpé, on y va maintenant. On va prendre Montagne Réelle. Allez, Montagne Réelle, go. Ça va être cossu. C'est parti, ça va être Filandre tout ça. Oui. Attention, 90 secondes, mon cher Jumpé. On rappelle qu'il est très très calé en géographie, donc c'est les montagnes, ça le connaît, c'est sa spécialité. Comme personne. C'est faux. Autant vous dire que moins de 9, ce serait catastrophique pour son niveau. Évidemment, 3, 2, 1, on y va. Quelle montagne est située dans la chaîne de l'Himalaya et le plus haut sommet du monde ? L'Everest. C'est une bonne réponse. Comment s'appelle la plus haute montagne du Japon ? Le Fuji, Mont Fuji. Mont Fuji, évidemment. Dans Le Seigneur des Anneaux, comment s'appelle la montagne ? Mordor. Laquelle... Comment ? Pardon, vas-y, finis. Laisse-moi finir, je t'en prie. Comment s'appelle la montagne dans laquelle Frodon doit jeter l'anneau unique ? C'est pas dans le Mordor, putain. Bah, c'était... Ouais, mais c'est pas ça, c'est la montagne de quelque chose. La montagne. C'est pas cadeau. Allez, on la passe. Quel film de Ang Lee avec Heath Ledger et Jake Gyllenhaal raconte une relation homosexuelle cachée entre deux cow-boys sur une montagne fictive du Wyoming ? La montagne. Oh non. Bah, j'ai pas... Dans quel département français se trouve le Mont Blanc ? Oh... No panique. Le département français. Vas-y, tu l'as pas. C'est pas grave. Sous quel nom est plus connu le mont Godwin Austen, deuxième plus haute montagne du monde ? K2. C'est une bonne réponse. Dans Naruto, comment s'appelle le massif montagneux dans lequel vivent les crapauds ? Putain. C'est très très simple. J'aurais pas. Non, je l'ai pas. Quel écrivain américain est l'auteur de la nouvelle Les neiges du Kilimandjaro ? Passe. Marc Jacob. C'est pas lui. Au revoir. Dans quelle pièce musicale de Edvard Grieg peut-on entendre un extrait nommé Dans l'antre du roi de la montagne ? Non mais. Enfin, mais frérot, mais tu m'as dit les montagnes, il m'a pas dit les acteurs, les chanteurs. La dernière question, elle est pour moi, les cadeaux, les montagnes. Hein. Quel réalisateur mexicain ? Vas-y, nique ta mère, David. Les mots sont lâchés. En tout cas, ça fait plaisir, les montagnes réelles et fictives. Quel écrivain, quel machin. Quel écrivain, quel film, quel chanteur, quel orchestre. Eh, c'est la vie. C'est la vie. Alors, 3, c'est bien. Seigneur des Anneaux. Montagne du destin. C'est la montagne du destin. Ouais, je pouvais pas l'avoir. Montagne du destin, bien sûr. Le film. Le titre du film. Brokeback Mountain. Secret de Brokeback Mountain, bien sûr. Le département où se trouve le Mont Blanc. C'est la Haute-Savoie. La Haute-Savoie, il est là. Bravo. Savoie, c'est dame. T'es allé chercher un K2, par contre. Et ça, c'est beau. K2, bien, ouais. Alors, Naruto. Attends, c'était quoi la question? Je sais pas, franchement, j'ai pas... Le mont... Il se fout de notre gueule. Vas-y, la question. Je dis, attends, je vous lis. Vas-y, la question. Dans Naruto, comment s'appelle le massif montagneux dans lequel vivent les crapauds? Il a dit, c'est facile. Non, j'ai dit, c'est sale. Non, c'est sale. J'ai dit, c'est sale. Il a dit, c'est facile. Non, non, on a la VAR. Il a dit, c'est facile, c'est abusé qu'il trouve pas direct. Ok, d'accord. Les crapauds, ah ouais, c'est chaud. Non, mais c'est le mont Myōboku. Bah ouais, bah. Salut. Après, alors, bon, Jumpé, je suis très déçu. Quel écrivain américain est l'auteur de des nouvelles, Les neiges du Kilimandjaro? Mais c'est Hemingway, enfin, voyons. Dans quelle pièce musicale de Edvard Grieg peut-on entendre un extrait nommé Dans l'antre du roi de la montagne? C'était Peter Gynt. Il y avait un mec qui l'avait ici ou... Absolument pas. On est d'accord. On était grave... Je suis pas un bouffon, on est... Non. Jumpé, on était avec toi. Non, Jumpé, honnêtement, je te le dis, t'as abusé de fou. Et je te le dis, j'avais peut-être deux ou trois... Pire thème ever. Et quel réalisateur mexicain est l'auteur du film fantastique expérimental? C'est David, il a dû en erreur sur les titres là. Non, mais il a un problème avec les films, les trucs. Et la géo aussi, hein. C'était Alejandro Jodorowsky. Oui, voilà. Bien connu. Le problème, c'est que David a de la culture, du coup, il se rend pas compte du niveau, quoi. C'est dur. Non, mais c'est par rapport au niveau, c'est surtout par rapport au nom du thème. Après, honnêtement, pour défendre David, à la toute base, quand on s'est dit on va faire un quiz comme ça et puis on va faire un truc en équipe, moi à la base, le pitch que je lui ai donné, c'est. Les gars vont être en équipe, donc monte un peu le niveau parce qu'ils vont pouvoir s'entraider. Joueur, donc du coup, il a dû faire un truc un petit peu plus dur. Et puis comme finalement, il y a quand même une partie solo, chais. C'était le quiz rouge. Voilà. C'était cadeau. On a notre Nanix. On a notre thème. Faut donner le thème. Il pas trop de choix. Alors, petit point, excuse-moi, score, peut-être pour vous rendre compte un peu où vous en êtes. On est à 9, Tokyo, ou pas, ici, nous sommes... on le valide pas, parce que c'est chiant. Du coup... non, mais parce que... Comment ça, 9 Tu restes... 6 plus 3, ça fait 9, chez moi. Ouais. C'est vrai. 9 contre 19. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Tu as raison. Après, il nous reste la streak. Après, je vais utiliser la streak. Oui, ils sont encore la streak, ils vont peut-être même l'utiliser à 3. Bon, bref. Nanix, quel est ton thème ? On va être obligé, là, parce que... Pas trop de débat, je voulais prendre les gens, mais ce sera autour du rugby.
Oh, ah, il est le bon. Sportif. Ah, voilà, voilà. Le sportif, Nanix. Bon. On rappelle le rugby, sa spécialité. Il était encore au 5 il y a quelques temps. Il est défenseur central d'ailleurs. Aucun rapport. Sentinelle. Sentinelle. Sentinelle, pilier. Bien sûr, on est parti, Nanix. 3, 2, 1. Quelle est la forme du ballon de rugby? Ovale. C'est une excellente réponse. Après avoir marqué un essai, comment s'appelle la tentative de marquer 2 points supplémentaires? Transformation. C'est une bonne réponse. Sans compter les prolongations, combien de temps dure un match? 80 minutes. Pardon? 80 minutes. Je vais répondre, c'est une bonne réponse. Quel joueur français de rugby est surnommé l'anesthésiste? Oh. Était surnommé, pardon, l'anesthésiste. Oh. Passe. Comment s'appelle l'actuel sélectionneur de l'équipe de France du rugby à 15? Eh ben c'est Fabien Galthié. C'est une bonne réponse. Dans quel pays aura lieu la Coupe du Monde de rugby à 15 en 2023? C'est chez nous. Eh ben c'est oui. Ah, voilà. Quels sont les deux seuls pays à avoir remporté 3 fois la Coupe du Monde de rugby à 15? Eh ben les All Blacks, c'est sûr. Et l'autre, je dirais l'Australie, les Wallabies, non? C'est une mauvaise réponse. Ah. Dans le tournoi des 6 nations, comment appelle-t-on le prix remis ironiquement à la cuillère en bois? La cuillère. C'est une bonne réponse. Okay. Comment s'appelle le stade dans lequel le Stade toulousain joue à domicile? Eh ben, c'est Ernest Vallon. C'est une bonne réponse. Dans quelle ville le tout premier club de rugby français a-t-il été créé? Désolé. Pas évident. Non, mais ne t'excuse pas. Quel joueur français de rugby était surnommé l'anesthésiste? Anesthésiste. Ah, c'est pas. Comment ça s'appelle? Non, mais non, Serge Betsen. Mais non, c'est pas lui. Non mais. Voilà, c'est une mauvaise réponse. Je sais que c'est une mauvaise réponse. Quels sont les deux seuls pays à avoir remporté 3 fois la Coupe du Monde? Eh ben, je vais recommencer la Nouvelle-Zélande et du coup, si c'est pas l'Australie, l'Afrique du Sud. C'est une bonne réponse. Et on la prend sur le fil, évidemment. C'est Sébastien Chabal. Ah, je suis un enfoiré. Le boucher, l'anesthésiste, enfin. Ah, mais je te comprends, je suis un enfoiré. Je suis un enfoiré. Chabal. Et tu nous as fait une excellente session parce que à part donc l'échec de Sébastien Chabal, tu es sur un quasi sans faute. La dernière était très tricky. Quelle ville, le tout premier de club rugby français a-t-il été créé? C'était le Havre. Eh bien voilà, tu le sauras. Eh bien écoute, je lis cette réponse à l'instant. Le Havre, ils sont doyens dans tous les sports. Hein, football, rugby, incroyable. Ce qui fait que tu viens de faire 8 sur 10. Putain, t'es un excellent ami. Excellent. Vous avez été vraiment très complémentaires ici. Jeux vidéo, cinéma, sport. Ah. C'est magnifique. Alors que c'est merde. En vrai. Alors, du coup, vous êtes dans la sauce puisque vous avez 16 points de retard. Mmh. Oui, mais bonne chance. Une streak est toujours disponible de ce côté-là. C'est vrai. C'est mort, hein, gros. Avec des thèmes très abordables. Attends, la streak, ça change tout. Mais non, mais il y a le thème commun à la fin aussi. Oui, il y a le thème. Il y a le dernier thème. Quand ce sera. Les amis, il reste Sunday, ma chère amie. Rappelle-moi les thèmes, s'il Quiz Mystère, l'année 1974 et les géants dans la culture. Pour l'année 1974, hein, vraiment. Non, mais moi, elle me en fait, chemarde, en vrai. Non, mais le thème année 1974, ça te dit rien, mais c'est. Ça te dit rien. Il y a déjà eu des thèmes genre la couleur violette et c'est easy shit, quoi. Je pense que c'est le plus simple des trois, vraiment. Les géants dans la culture, non? Ou alors mystère, mais les géants dans la culture, c'est impossible. Ouais, écoute, c'est vrai que je sens. Sinon, on le prendra jamais. Non, te fie pas à moi. Non, faut choisir. On va prendre mystère. Écoute. Prends mystère et nous, on fera 74 ensemble parce qu'ils sont beaux joueurs, ils vont nous prendre. Non, mais évidemment. Xari qui essaie déjà de. Prends ce que t'as envie de prendre en vrai. Écoute, non, on va tenter le 74. Allez, c'est parti. Je vais lui faire confiance. 74. Pas de streak, je suppose. Non, bah non. Non, on s'en passera. Attention. 3, 2, 1, on y va. Quel animateur français né en 1974 présente les émissions Balance ton poste et touche pas à mon poste? Cyril Hanouna. C'est une excellente réponse. En 1974, quel chanteur français entendait-on sur le tube Le téléphone pleure? Comment ça s'appelle? Claude François. C'est une bonne réponse. Quelle marque hôtelière 3 étoiles française fondée en 1974 porte le nom d'un oiseau à long cou? J'en sais rien, Albatros. C'est une mauvaise réponse. Quel acteur américain, né en 1974, incarne le personnage de Bruce Wayne dans la trilogie Dark Knight de Christopher Nolan? Il s'appelle... Je sais plus, ça me reviendra. Quel célèbre film de Francis Ford Coppola a le droit à une suite en 1974 narrant la suite des histoires de la famille Corleone? Je ne sais pas, je passe. Quel chanteur britannique, né en 74, a eu un grand succès avec son album Back to Bedlam, contenant les titres You're Beautiful ou Goodbye My Lover? Oh, je l'ai sur le bout de la langue, donc je vais te dire, on va y revenir. On y reviendra. Quel rappeur américain, né en 1974, est connu pour avoir présenté l'émission Pimp My Ride? Je ne l'ai pas, on passe.
Quel roman de type thriller écrit par Peter Benchley, paru en 1974, sera adapté par Steven Spielberg au cinéma un an après en 1975? On passe. Quel rappeur marseillais né en 74, membre des Funky Family, a sorti en 2002 son album solo Vapeur Toxique? Quel film de Toby Hooper, interdit de diffusion dans les salles françaises à sa sortie en 74, ne sera diffusé qu'à partir de 82? C'est Next, évidemment. Quelle marque hôtelière 3 étoiles française fondée en 74 porte le nom d'un oiseau à long cou? Ibis. Bien vu, évidemment. Ah. Et Ted, hein, ce salopard qui, pendant le quiz de Sunday, à un moment donné, m'a regardé, il était en mode... j'ai cool au début, je vous ai dit c'est pas un cauchemar, je l'ai, pour qui vous me faites passer, monsieur? Le même nombre de réponses que toi. Alors, merci Ken. Donc il y avait Ibis. Acteur américain, la trilogie des Dark Knight. Bon, ça, Christian Bale. La suite, célèbre film de Francis Ford Coppola qui a le droit à une suite en 74. C'est pas Le Parrain 2? C'est juste Le Parrain, il n'y a pas c'est de pays, grave, d'accord. Chanteur britannique, James Blunt. Pimp My Ride. Exhibit. Roman de type thriller qui a été adapté par Steven Spielberg au cinéma en 75, c'était... Jurassic Park. 75, c'est 93, dans la mer. Jurassic Park en 75. Mais non, j'ai le droit à une erreur. Non, t'as pas le droit, non. T'es comédien, mec. Tu dois connaître tout le cinéma. Rappeur marseillais né en 74, membre des Funky Family. Jules. Il est sorti en 2002. Jules, 60. Qui a sorti en 2002 son album. Comment? Laurent Luciano. C'est Don Choa. Don Choa. Très bien. Pardon. Et le dernier, Le film de Toby Hooper, interdit de diffusion dans les salles françaises, sa sortie en 74. Il sera diffusé qu'à partir de 82. C'est un grand classique, ça. Oui. C'est Massacre à la tronçonneuse. Ah bon? Ah oui. Voilà. Ok. Bah écoute, Massacre, c'est le mot. Effectivement. On fait une streak de 10, on fait 20. Hein. Ouais. C'est vrai, ça. Tout est possible, il faudrait qu'il fasse 4 là, ici. Si vous faites 4, vous êtes imbattable. Vous êtes trixable. Okay. 4, on va gagner, quoi. Il y a 11 à 27. 11 à 27. Allez. Vous pouvez. Là, je vous tiens en régie, vous pouvez enlever le chrono, c'est moi qui vais faire, parce que voilà, okay, on va régaler. Mais alors, c'est quoi, on a le droit de revenir sur les questions quand même? Comment ça va se passer? C'est juste la même chose, juste comme vous êtes trois, pour pas que ce soit cacophonie avec le temps qu'on se presse, etc., vous concertez. Ouais. Et il y en a qu'un qui me donne la bonne réponse, ici ce sera toi, Ken, d'accord? Mais vous pouvez vous concerter. Ok, ça sera moi, Ken. Vous voulez quoi? Le Swiss Mystère. Cependant, pour les besoins de l'émission, maniez-vous le cul. Évidemment, s'il vous plaît, merci. Alors, viande dans la culture ou le Quiz Mystère? Non, mais le truc de la culture, non. Qu'est-ce que vous voulez prendre? C'est un truc facile. Merci. On connaît les gens dans la culture. Je peux vous le dire pour vous préparer mentalement. Le quiz mystère est sur Gérard Depardieu. Oh non. J'ai pas dit oui. Non mais on peut leur donner. Prenez-le. Vous voulez un échange? Vous êtes d'accord? Ah oui, prenez-le. Mais non, mais si on prend, on casse tout. C'est pas grave. Tant mieux, faites un record. Faites un record. Non, plaisir. Par pitié, on veut pas faire ça. D'accord, Depardieu. Merci. Allez, quiz mystère. Vous êtes prêts? C'est parti. On y va, on commence. Vas-y. Allez, quel rôle de l'univers d'Astérix le Gaulois a-t-il interprété au cinéma? Obélix. Une bonne réponse. Quel célèbre navigateur ayant découvert l'Amérique a incarné Christophe Colomb? C'est une bonne réponse. Depuis 2013, quelle est la nationalité de Gérard Depardieu? Les Russes. Bonne réponse. En 1974, quel film de Bertrand Blier le révèle au grand public 74. Aux côtés de Patrick Mes valseuses. C'est une bonne réponse. Les valseuses. Mes valseuses. Mais ça coche. Ah, je sais. La communication, il va bien passer. Le téléphone s'appelle. Pardon. Excusez-le, c'est le stress de la réponse. C'est le stress. Comment s'appelle la série documentaire française diffusée depuis octobre 2015 sur Arte montrant Gérard Depardieu en excursion culinaire à travers le monde? On a montré des extraits dans le récap également. Faut une réponse. Ça passe. Citez un des deux films pour lequel il a été récompensé de l'Oscar du meilleur acteur. Un film pour lequel il a été récompensé? Un des deux films pour lequel, déjà t'as une info là, pour lequel il a été récompensé de l'Oscar du meilleur acteur. Cyrano de Bergerac. Oui. C'est une bonne réponse. Oh, quel love. Et l'autre étant Le Dernier Métro. Quel mousquetaire interprète-t-il dans le film L'Homme au masque de fer de Randall Wallace? Portos, de toute façon. Ça, c'est une bonne réponse. Dans quel film humoristique avec Albert Dupontel et Benoît Poulvord peut-on voir Gérard Depardieu faire un caméo jouant le rôle d'un médium lisant l'avenir dans L'Alcool de riz? Passe. En 2012, dans quel film adapté d'un livre de Victor Hugo joue-t-il le rôle d'un vagabond mettant en scène un enfant Les Misérables?
C'est une mauvaise réponse. Bah, Quel célèbre personnage de roman policier va-t-il incarner au cinéma en 2022 sous la direction de Patrice Lecomte ? On n'a même pas entendu la question parce qu'ils n'arrêtent pas de parler. J'avoue. Sorry. Tant pis pour vous. repose. Quel célèbre personnage de roman policier va-t-il incarner au cinéma en 2022 Maigret. Sous la direction Maigret, oui. C'est quoi son prénom ? Ah, c'est le commissaire. Le commissaire. Non, c'est le commissaire. Maigret. Okay. Je ne l'accepterai pas. Bruno Maigret. Non, t'es vraiment le pire. Ouais, je suis le pire. Ouais. Non, mais on dit le commissaire Maigret. C'est Jules Maigret, monsieur. Jules Maigret, Jean-Jacques. Ben oui, je le prends, c'est pour moi. Et on peut revenir sur. À pleines dents. À pleines dents, le documentaire Arte. Ouais, Arte. C'est une bonne réponse. Ouais, excellent. Fait, revenir là-dessus. Non. Et film humoristique avec Albert Dupontel, Benoît Poulvord, où il joue. Il fait un caméo. Il dit l'alcool. C'est un truc avec 3, la soif. 2, 1. C'est un plaisir des. Non, c'est le truc où ils sont dans un verre. Putain, le vin, le pinard. C'était le grand soir. En 2012, dans quel film adapté d'un livre de Victor Hugo ? Du coup, il joue le rôle d'un vagabond mettant en scène un enfant défiguré. Il joue un enfant défiguré. C'était L'homme qui rit. Ah bah, bah ouais, mec. Ouais, bah, ça pourrait être La Vache. Ça aura bossé. Ça bien fait joué. 6-7 quand même 8-8. Ça fait même 8. Hein, comment ça 8, non, ça fait 7. 7. Ah non, ça fait 8. Non, ça fait 8. Ça fait 8. À pleine dent. Ils sont allés chercher à pleine dent. On a à pleine dent. Bien joué, les gars. Ça fait 8. Exceptionnel à pleine dent. Tout est possible. C'est ah, j'ai atteint en plus les géants dans l'histoire, c'est mon thème favo. Le titan colossal. Rainer. Honnêtement, si vous faites 3, si vous faites 8, vous avez gagné pour moi. Impossible. Il est impossible quoi. Non, il est très simple. Ouais, allez, vas-y. Vous avez la streak. Les géants dans la culture, tranquille. Quel animal est King Kong ? Géant un théorie. Gorille, un singe. C'est une bonne réprimate. Ouais. Oh là là. Que vend la marque Géant Vert en France Bah des légumes en légumes conserve. Ouais, des légumes en conserve, c'est la réponse exacte. Je rajoute un point supplémentaire pour ça va la précision. La précision. On peut te donner un indice, enfin un exemple du maïs par exemple. Oh. Je rajoute un point supplémentaire pour la citation du maïs. C'est un bol d'or. Comment s'appelle déjà 4. Comment s'appelle le géant qui a abattu David à coup de fronde Goliath pour l'orthographe je rajoute qui a réalisé le film Le Bon Gros Géant sorti en 2016. Oh bah oui GG. Oh si Le Bon Gros Géant. Bon Gros Géant. Voyons. Oh bah oui c'est bah, qui j'ai jamais vu le film je ne sais de Chavannes. Non mais un truc Spielberg c'est une bonne réponse. Ah oui, on le savait, oui, bah, on savait, on a réfléchi. Quoi. Attention, pour la streak. Dans quelle ville américaine l'équipe de football américain appelée Giants évolue-t-elle ? Ah, c'est trop facile. Les Oh merde. Oh non. Ah, c'est ultra après, simple. Ce que t'as fait. Abusé. Ils l'ont pas. Bah, c'est les Giants de quelle ville ? Alors, quelle ville ? Non, putain, je n'ai aucune idée. Franchement, j'aurais dit LA, mais je suis pas sûr. Non, impossible. Allez, j'aurais dit New York. C'est une bonne réponse, New York. Bravo, York, Clary. Il avait validé sa réponse, donc j'ai sauté quoi. Los Angeles, pour le moment, 7. Pas du tout. 7 et il valide la première streak. Ouais. Attention. Quel terme japonais est utilisé pour désigner des créatures étranges, particulièrement des monstres géants des films japonais ? C'est abusé. Fallait le prendre. Attends, fermez-la et répète la question. Je répète. Quel terme japonais est utilisé pour désigner des créatures étranges, particulièrement des monstres géants des films japonais, genre Godzilla, par exemple. Des kaiju. C'est une bonne réponse, mais Xavier, mais es-tu japonais? Ah, je joue à Yu-Gi-Oh! Gros. Il est et à partir de là, bon. Ah, c'est fini. Quel personnage de la série Game of Thrones est surnommé la montagne en raison de sa taille? La montagne. Il a un vrai nom, mais. Il a un name. Ah ouais. Toi, tu t'appelles pas Max Hildan sur tes papiers. L'adversaire de Oberyn. C'est une excellente réponse. Mais il a un prénom, le man. Il a un prénom, le man. Il doit s'appeler. Personne n'a vu Game of Thrones. Il y a un indice. Il a un frangin. Non, mais gros, j'ai pas vu la série, donc déjà. Ah ouais, non, c'est mort. C'est mort. Moi, je l'ai vu, mais je me rappelle plus. Pareil, il n'y a pas de nom. Il s'appelle la montagne en permanence. Il s'appelle peut-être André le Géant. Je donne un point pour cette rêve culturelle. C'était Grégor Clegane. Non, je l'aurais pas retrouvé. Quelle montagne de Provence, Alpes, Côte d'Azur est surnommée le géant de Provence ou encore le Mont Chauve ? Le château de mon père, Marcel Pagnol ? J'ai pas. Il l'a pas. Non, Monsieur non. Géo, il l'a pas non plus. Non. Quel roman satirique écrit par Jonathan Swift en musique Non, c'est pas ça. Pardon ? C'était pas le Mont Faron ?
Okay. Il y avait le monde dedans, mais... Quelle romance satirique écrite par Jonathan Swift en 1721 raconte les aventures d'un géant à travers un monde imaginaire. En Gulliver ? Bah oui ! Bah ouais. Ah, bien joué ! Bah oui, évidemment. Ça, c'est une question genre dure, quoi. Alors qu'avant, on a eu le mont chauve de mes couilles. Par quel mot grec désigne-t-on le combat entre les géants dans la mythologie grecque ? C'est un terme. Ah oui. Je sais pas, frère. Le cataclysme. Ragnarok. C'était pas du tout grec. La gigantomachie. Gigantomachie. La gigantomachie. Ah. Oh, voilà. Évidemment, oui. Et ainsi s'achève la rencontre. Allez, ciao. Au revoir. C'était close. En c'était close. En vrai, c'était bien. Close, mais c'est pas si dur, vous voyez les géants. Non, en vrai, c'est pas si dur. C'est pas si dur. Et ainsi s'achève la rencontre. Et l'équipe des nouveaux, comme j'aime à les appeler, remporte cette victoire. Bravo, ce quiz remporté. Très très belle association du cinéma, du jeu vidéo et du sport. C'était quoi le mont en Provence, juste ? C'était le mont Ventoux. Ah. En fait, tu connais plus le mont Ventoux que toutes les autres appellations que t'as dit, quoi. Ouais. Genre le mont Chauve. Ah, non, mais le d'accord. Le mont Chauve. Non, mais exactement. C'est connu, le mont Ventoux. Bravo, les amis. Ainsi s'achève la rencontre. Merci à David pour l'écriture du quiz, bien évidemment. Et merci à vous d'avoir participé encore une fois. Vous avez été monstrueux. Merci, Gigi. Je vais te laisser bien rééchanger avec Xavi, puisque j'ai besoin de lui pour la fin de cette émission. On va pouvoir continuer, évidemment, avec autre chose. Je vous propose de parler un petit peu football. Ballon. Ballon. Ah oui, évidemment. Quand même. C'est l'Euro, et puisqu'on vous a bassiné avec moult jeux vidéo, eh bien, on n'est pas beaucoup revenu sur l'Euro. Ce qui fait qu'on a loupé des trucs. Nanix est là, évidemment, pour vous faire un petit cours de rattrapage. Jingle. Hey. Bon, la France a gagné. Oui. Spoil. Voilà. Évidemment. Mais... On a attrapé du score ? 1-0. 4-0. Enfin non, techniquement 0-0, on n'a pas marqué. Ouais, et buteur, tu l'as ou pas, tu te souviens? CSC de Mats Hummels. Voilà, merci Hummels. À lui. Du Borussia Hummels. Dortmund. Hummels, tout à fait. Bah, on tu a sais marqué quoi 4 fois. Peu de gens. On a marqué 4 fois au week-end et les buts étaient hors jeu. Ah oui, bah oui, il y avait un penalty, un hors jeu et c'est un vrai. Poteau qui aurait dû rentrer. Le péno, faut le marquer. En ce moment, les pénaux, on n'est pas très bon dans cet exercice en équipe de France, donc faut quand même les mettre au fond. Giroud 4 sur 4. Non mais Giroud pas titulaire. Du coup, Nani, oui. Qu'est-ce qu'on a raté sur cet Euro au-delà du match de l'équipe de France? Bah, on va quand même rester sur le match de l'équipe de France parce qu'il y a un mec hier qui avait quand même call le CSC pour l'ouverture du score, enfin, en tout cas pour un des buts du match entre la France et l'Allemagne. Alors le CSC, parce qu'en fait... Contre son camp. Mais tout le monde ne sait pas. Je vais expliquer, il y a eu un centre et un joueur français qui était prêt à jaillir, à bondir, à mettre le ballon au fond, et Mats Hummels a voulu prendre la balle pour dégager, hein, et son il le tibia. Prend sur le tibia, en et quand on le prend sur le tibia, c'est vraiment la pire zone du pied, tu peux prendre la balle, elle va directement en lucarne. Regardez le tweet, en fait c'est Philou Sport qui avait mis posé ce tweet avant le match, il avait organisé une sorte de petit concours en disant tout simplement allez donnez-moi dans l'ordre le score, le premier buteur et la minute du premier but de France-Allemagne, s'il y a un vainqueur c'est maillot floqué au choix, et Louis Toogood avait écrit 2-0 pour la France, 18e CSC Doumels. Incroyable. Et c'était bien la 18e ? Bah, c'était pas la 18e, il avait le contre son camp. Et il avait le nom du but. Après, il a mis 2-0, le score était 1-0. Après coup, on peut se dire que c'était peut-être un peu prévisible dans le sens où ils avaient 16 joueurs en défense et que bah, du coup, les probas font que. Franchement, en vrai, pas du tout. Hein. C'était pas du tout prévisible. Que tu dises c'est Dumoulin, ça c'est évidemment rare, hein, c'est pas prévisible. Non, c'est bien sûr, il y a bien sûr que son tweet, donc une équipe qui a peut-être plus qui met plus de joueurs en défense a techniquement plus de chances de faire un contre son camp. Généralement une équipe qui a beaucoup de défenseurs dans sa surface de réparation, qui a 3 centraux, c'est plus compliqué justement sur les phases de t'as plus de difficultés à aller centrer, à trouver un joueur dans la surface qu'autre chose. Là il y a eu un petit débordement. Bon bref il a deviné. On a été chanceux, et regardez un petit peu les réactions, évidemment internet avait un petit peu le seum, mais pas du tout, ils l'ont félicité. Évidemment le spoil le plus puissant jamais vu depuis la dernière saison de Goat, quel crack. On a encore un autre, hein, je crois, de tweet pour agir. Non de évidemment. Et puis le dernier qui est mon préféré, la chatte évidemment. Alors il a trouvé le CSC du Mels, il n'avait pas le bon score, il a mis 2-0, c'était 1-0, mais Philou évidemment n'est pas méchant, évidemment il lui a envoyé son maillot floqué. En tout cas il va le faire. Autre chose qu'on a vu, mais
sur lesquels on ne s'est pas vraiment attardé pendant le match. Enfin, nous, parce que les gens qui étaient devant l'écran l'ont fait. Souvenez-vous, Paul Pogba, je sais que Xari a apprécié son match, évidemment, sa prestation. Paul Labile, Pogba nous a régalé, à tel point que côté allemand, Antonio Rüdiger avait peut-être un petit peu faim. Revoyons ces images, évidemment, où Rüdiger va se coller à Pogba. Regarde bien la bouche de Rüdiger qui va légèrement croquer dans le dos, l'épaule, je ne sais pas trop, de notre ami Paul Pogba. J'ai très faim. Évidemment. Alors, avant de vous, avant de vous montrer la suite, sachez que l'UEFA a ouvert une enquête. Il n'y aura aucune sanction après visionnage contre Antonio Rüdiger qui a démenti avoir voulu croquer Pogba. Mais qu'est-ce qu'il fait là sur l'image? On a vu les images. Il est vraiment en train de le kékro comme si c'était un croque-monsieur. Regardez évidemment, Internet s'est emparé de cette vidéo. Avez-vous jamais eu faim enfin? Une bonne grosse dalle. Internet évidemment s'est emparé de cette vidéo. Premier tweet. Rüdiger, quand il a vu Pogba entrer sur le terrain, évidemment. On a faim. Oh là là, il a faim, Ronaldinho. Évidemment, c'est Ronaldinho. Pourquoi Ronaldinho fait ça déjà de base, en première intense? C'est sa manière. Tu sais, c'est un tic. C'est sa manière à lui de rentrer dans son match. Bien les babines, il y avait le burger de ce midi. C'est vous, il cherche le front et le cou à la fois. Ou alors, il pense déjà au burger qu'il mangera à la fin du match. Parce que Ronny, on rappelle, à niveau hygiène de vie, c'était pas trop ça. Deuxième tweet, évidemment, peut-être le plus drôle, je trouve, qui va s'afficher. Quand Rüdiger lâche un gigacro dans Paul Pogba avant toi. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est lui Suarez qui est en train de pleurer. Et Suarez, c'est quand même l'homme qui a le plus mordu des joueurs. Il est connu pour croquer un petit peu. De ce jeu, il se dit allez, regarde les images. Mince, il est en train de manger dans Paul Pogba. Alors que moi, j'avais eu tellement faim, c'est triste. On enchaîne. Autre tweet, évidemment, toujours par rapport à Anthony Rüdiger et Paul Pogba, toujours aussi drôle, il me semble. Est-ce qu'il va apparaître ce tweet? Oui, non, oui, tout à fait. Alors, faut écouter le son. Hein, tu prends du plaisir? Oui. C'est le plus important. Tu prends du plaisir. Tu prends du plaisir. Prends du plaisir. Oui. C'est le plus important. Voilà, évidemment, le fameux Rüdiger. Bon, on a bien rigolé autour de ce match. Sauf que ce matin, les amis, quand je me suis réveillé, j'ai ouvert l'équipe. Et malheureusement, on est obligé de revenir là-dessus. C'est parti, comment 46. Revoyons cette une de l'équipe comme en 18. Alors, c'est pour 2018. Il y a une explication tout à fait. Enfin bon, mais avant que cette explication arrive, forcément, les internets s'en sont emparés. Aïe. À tort ou à raison, on n'est pas là pour juger. Le premier, c'est Samuel Etienne qui a ouvert Twitter et qui... Ce qu'il dit, en fait, est assez vrai. Est-ce qu'on peut afficher le tweet, s'il vous plaît, que je puisse le lire en même temps que vous? L'appareil, ça vient. Après, c'est vrai que c'est... ils l'ont pas. Ils l'ont pas, d'accord. Bizarre, parce que moi, je l'ai sous les yeux. On a peut-être le tweet de Domingo, peut-être, pour agir. Ah oui, juste avant, il y a celui de Samuel Etienne dans le runner, effectivement. On peut mettre celui de Domingo, peut-être, du coup. Oui, non, voilà. Oh, la roue libre, il y avait tellement mieux à faire. Mais surtout, pourquoi pas rajouter un petit vin devant. Voilà, exactement. Je vais expliquer. Alors, pour l'explication, on peut jouer le dernier tweet, ce sera le plus simple. Vas-y, pendant que t'expliques ça, on va faire coucou évidemment à la partie droite du plateau. Salut. Puisque même Sunday s'en va. Ouais, la TG. Ah oui, c'est vrai, faut que tu rentres chez toi. Elle a le train. Alors, Sunday, elle rentre parce qu'elle a le train. Et Gigi et Jumpé, ils ont l'émission Le Mobile juste après. D'ailleurs, je vais pas tarder à bouger aussi. C'est pas que ça nous fait chier, ce que tu dis. Ça. Tu ne commentes pas, toi. Je te rappelle hier, tu m'as interdit de commenter. Là, tu t'en vas, je suis très choqué. On est vexé. Vas-y, continue. Effectivement, c'était 18. Ils auraient dit 2018, ça aurait clarifié pour tout le monde. Mais évidemment, ils ont voulu jouer le jeu de mots. Ouais, mais comme a dit Harry, tu rajoutes un, faut rajouter un 20 devant. C'est trop risqué. Voilà. Et du coup, l'ambassadeur du gouvernement allemand s'est exprimé en mettant le souvenir de la performance allemande à la Coupe du Monde 2018 reste douloureux. Mais heureusement, nos amis, les Bleus nous ont fait vivre de grandes émotions cette année-là. Vive l'amitié franco-allemande. Bah oui, comme en 18, c'était par rapport à cette fameuse demi-finale en 2018. Oui, mais bon, bien sûr, on sait. Mais oui, mais c'est maladroit. On sait pas, moi. Bah, ouais, mais alors, ils ont fait exprès, mais en vrai, c'est hyper, hyper maladroit. Parce qu'il y a énormément de gens, avant de faire le lien avec 2018, qui ont vraiment pensé au thème de la guerre. Et du coup, on trouvait cette une assez... Sachant que la une de la veille, c'était quand même première gorgée de bière. Voilà. Et puis la problématique, c'est aussi qu'effectivement, là, tu fais comme si, comme le dit Ted, comme si
tout le monde savait, oui, des alors... os, tout le monde ne suit pas le foot, alors que la guerre, t'as pas eu le choix. Sauf qu'en 2018, ils n'ont pas passé les poules, l'Allemagne, donc on les a pas joués. Ils n'ont même pas joué en plus, oui. Donc, moi, j'ai vu un top tweet sur cette une-là, mais c'était pour le Ricard. Demi-finale, c'est l'Euro 2016. Pour, tu vois, c'est pour ça que je me suis posé la question. Oui, je rectifie. Hein. J'ai parlé de demi-finale, c'est France-Allemagne. Du coup, c'est encore pire. Du coup, ça n'a fait donc en fait, ça n'a aucun sens. Sujet de ouf. Ah oui. Ah mais parce que genre en 2018 on a gagné. On a brillé. On a gagné 1-0 le premier match de poule. C'est de la merde. Ça n'a aucun sens. Ah c'est nul. Et que les Allemands du coup n'avaient pas été très très bons. On enchaîne. Désolé, avant qu'on rigole de nouveau, encore un truc relou. Pendant qu'on vivait le 3, il y a eu un match entre la Finlande et le Danemark. Ah ouais, ouais, ouais. Et notamment Christian Eriksen qui a eu un petit souci. Il a eu un malaise. Il a fait un arrêt cardiaque, en fait, tout simplement, en plein match. Et pendant que tout le monde s'inquiétait pour Christian Eriksen, bah Francis Lalanne, lui, a tweeté ça. Oh là là, quel enfer. Vaccin, Christian Eriksen, victime d'un grave malaise pendant Danemark-Finlande. Il a pris Bagdad. Hein. Je ne vais même pas rentrer. Franchement, je ne vais pas rentrer dans les détails. Tu es cringe. Hein? Enfin, frérot, tu écris. Non, mais je vais même pas rentrer dans les détails parce qu'il a insisté derrière. Vraiment, il était dans sa bulle en mode on peut plus s'exprimer. Je crois qu'il y avait Mimicicule avec une sarbacane. Aucun sens. Hein. Non, mais voilà, vraiment, c'est. Voilà. Donc, Lalanne, tout faux. Bon, on en rigole, mais c'est vrai que sur le moment, Twitter était absolument très énervé. Déjà vu pour ceux qui ont vu l'Euro, mais nous, je rappelle, on est en dispositif E3, on n'a pas vu ce lob incroyable de M. Patrick Schick. On va revoir les images, tout simplement. Du but de l'Euro. Le but gratuit. Attends, c'est pas fini. Oh. Non. On ne verra pas les matchs. Non. Si, si, tu vas le voir. Ah, j'ai eu peur, la grosse pub là. Ouf. Oh lolo. Eh oui, ma gueule. Allez. C'est le but de l'Euro. Clairement. Salut l'artiste. C'est le but de l'Euro. La République tchèque en plus qui bat l'Écosse 2-0. Oh c'est plus impressionnant de là, je trouve. Ouais. Bah. Oh là 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 là. On lui fait de la balle, gros. Magnifique. Évidemment, je vous cache pas que le gardien qui rentre dans les filets est déjà devenu un mème et que le positionnement du goal sur l'action a fait l'objet de nombreuses critiques. Est-ce qu'on peut jouer les tweets suivants parce qu'ils sont assez informatifs. Optagent, on le sait, c'est un compte Twitter qui donne toujours des statistiques précises sur le football. Et en fait, Optagent nous explique que c'est le but le plus lointain. Tout simplement inscrit lors d'un match de l'Euro. L'Euro. Ah ouais. 45,5 mètres. En même temps, tu m'étonnes. Logique. En soi. Nanix, je te laisse continuer. Je vais rejoindre les autres, évidemment, pour le mobile. Du coup, je vous fais tous des bisous. Je laisse dans les mains. C'est vrai, il n'en restera qu'un. Il n'en restera qu'un. Je laisse dans les mains de Xari, évidemment. Et du coup, il n'y aura quasiment pas de transition entre les deux émissions. Restez avec nous. C'est formidable. Bien sûr. C'est vrai, c'est vrai. Ciao, ciao, ciao. Bella. Bon, maintenant que les bouffons sont partis, on va pouvoir s'amuser. Attends, allez, soirée quand même. Hein. Sortez vos couilles, messieurs. Allez. La technique du cerf, encore ? Non. Oh, la technique du cerf. Non, j'en ai d'autres, mais ce ne sera pas pour ce soir. Non, mais vas-y, continue, Nanix, parce que tu n'avais pas fini. On enchaîne. On enchaîne. Je crois qu'on a encore un autre tweet affiché, toujours par rapport au but de Patrick Schick, s'il vous plaît. Oh, ouais, non, on n'a que l'optageant. Bon, c'est... Ah oui, oui, le commentaire en dessous. Ah. Un commentaire que Gérard aurait pu dire s'il avait été là, parce que pour moi, il aurait commenté comme ça. C'est vrai que derrière le goal, c'est un vrai con. Voilà, c'est tout. Je pense que Gigi, pendant le match, il y a eu le match, aurait pu dire ça. Tu l'as vu pendant le match de l'équipe de France. La trajectoire de la balle, Nanix, quand même, elle est. Ça arrive à tout le monde. Les limites, le com m'a fait rire parce que je voyais trop Gigi le dire. Le goal est mal placé, mais franchement, le pas, coup, pas le coup dire ça. Par contre, je sais pas si vous avez vu, là, il y a le goal d'Haïti, je crois, qui a fait une bourde de fou. Oui, on l'a. Et du coup, on se la joue. Vas-y, on se la joue. On peut avancer, on a frôlé la cata hein, pour la régie. On va regarder ce but absolument effroyable. Certains disent qu'il l'a fait exprès. C'est sa première sélection. Ah ouais, enfin, ouais. Non, mais il faudrait te dire qu'il l'a fait exprès. Mais non, exprès. Jamais. Bah, tu vas voir l'action. Il a le Tesla comme nouvelle voiture. Regardez l'action, c'est terrible. Première sélection. Regardez bien. Ok. Et mais non, monsieur l'artiste. Alors, par contre, la technique du gars, gros, vraiment. Alors, elle passe entre les jambes, je veux bien, mais. Par contre, j'avoue qu'en le revoyant, je commence à avoir des doutes. Voilà. Parce que moi aussi. Gros, il fait une danse. On dirait le mec en roller, t'es sur les cornes. Moi, j'ai vu les mecs qui mettaient en dessous, il l'a fait exprès. J'ai dit, vous abusez. J'ai revu deux, trois fois. J'ai dit, ouais, en vrai, c'est vrai qu'il est un peu douteux. On peut le remontrer, hein, parce que franchement, je pense que ça vaut le détour. C'est une carrière, ça, non ? Bah, c'est sa première sélec, hein. Ah, bien. Alors, ça, ok, pourquoi pas. Mais là, c'est. Non, mais. En plus, il se décale vraiment, genre, tu vois. Non, c'est chelou. Non, mais juste, au pire.
Non, mais... tombe dessus, je sais pas. On est d'accord que là, s'il la prend la main, il y a quoi? Il y a. Parce qu'il n'a pas le droit. On peut avoir le début de. Je vous en prie. Non, si, il la lance au pied, donc il n'a pas le droit de la prendre à la main. Non, donc, mais si jamais il la prend à la main, bah, quand c'est même. Coup franc direct dans la surface. Oui, voilà, donc c'est quand même au pire du pire. Enfin, prends-la à la main, quoi, si vraiment. Tant pis, tu vois, fais un coup franc direct dans la surface. Il la rate deux fois. On a l'impression que c'est à FIFA et puis tu veux choper le goal, puis finalement, on file le défenseur, tu reviens au goal, on file le défenseur et le truc qui rentre, quoi. C'est terrible. Une petite image impressionnante. On va jouer, excusez-moi, j'ai mis Marie en PLS en disant on a foulé la 14, c'était pire goal ever. Quel talent cette Marie, je viens de l'entendre. Elle est heureuse que je la remercie et que j'avoue que je l'ai mise dans la sauce. On peut jouer, on a frôlé la Qatar. On va avancer un petit peu le tweet suivant. Juste avant France-Allemagne, il s'est passé ça. On va voir ça en image. C'est un ULM avec un militant Greenpeace. Et en fait, son arrivée sur la pelouse, c'est pas passé comme prévu. Il va passer devant la tribune de presse. Hop, et surtout, il est un petit peu passé devant le banc des Bleus. Donc en fait, il y a eu des débris, notamment Guy Stéphane, l'adjoint de Didier Deschamps, a reçu des débris. Donc légèrement touché, pas de blessure, pas de blessé à l'arrivée. Et du coup, petite chose quand même intéressante, je vais me remettre rapidement sur les internets parce que je m'étais ouvert cette page. C'est pas grave. Mais a priori, les services d'ordre étaient même prêts à intervenir avant même que le mec arrive, prêts à tirer sur lui jusqu'à ce qu'il voit le logo Greenpeace en fait. Ils étaient prêts à l'abattre, quoi, vraiment. Après, Greenpeace n'a pas fait ça gratuitement, il doit y avoir. Évidemment, évidemment, il y avait une raison. Mais du coup, ils se sont arrêtés en plein acte en comprenant que c'était un militant Greenpeace qu'ils ont vu logo, mais on aurait pu assister à un véritable drame. C'est pas prévu dans le show. Non, rien à voir. C'est limite, hein, c'est ce que tu veux dire. Oui, c'est limite. Mais c'est limite de fou. Déjà, c'est limite de le faire, et en plus, il aurait pu vraiment blesser quelqu'un, quoi. Et on connaît la cause défendue ou absolument pas? Je pense que Greenpeace s'est même excusé en mode. On a merdé, quoi. En mode, là, on a été chaud. En même temps, frère, c'est totalement con, quoi. Genre, oui, ça dessert beaucoup plus. Ça n'empêche pas le geste, bien sûr. Ça dessert beaucoup plus la cause que. Bien sûr. Un petit tweet dont on parle pas mal rapidement. On peut le jouer, c'est les sponsors en PLS. Cristiano Ronaldo s'est présenté en conférence de presse. Il y avait deux bouteilles de coca devant lui. Il les a tout simplement retirées. Ouais. Il a pris une bouteille à la main et a dit. Agua, je préfère boire de l'eau. Donc non, on joue d'abord celle de Paul Pogba, c'est pas grave. Paul Pogba devant lui, il a une bière Heineken, il va l'enlever tout simplement et laisser le coca et l'eau. On rappelle qu'évidemment de par sa religion, il ne boit pas d'alcool. Vous dites pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, Pogba ça a été fait juste après Cristiano Ronaldo, donc qui a enlevé ses deux fameuses bouteilles de coca, et Ronaldo lui prône une alimentation saine. En gros, c'est un peu le message des footballeurs qui disent bah non, moi je veux pas qu'on m'impose un sponsor sous les yeux, sachant que c'est des sponsors aussi Coca-Cola Heineken officiel quand même de l'Euro. Il ne veut pas associer son image à des bouteilles de coca au moment où il répond à la presse. Il avait notamment dit mon fils mange des burgers et boit du coca et j'aime pas ça, en gros ça le fait chier. Et Pogba, lui, il a vu la bouteille, la bière Heineken, il l'a enlevé. Alors Shane Kane, je ne peux pas vous dire s'il y a eu des répercussions très graves. Par contre, l'action Coca, elle a chuté en bourse quand Ronaldo a enlevé les deux bouteilles. Ils ont perdu 4 milliards, il faut le savoir. Hein, quoi? Ils ont perdu 4 milliards. 4 milliards, ouais. Ils ont perdu 4 milliards de dollars à partir du moment où Ronaldo a enlevé les deux bouteilles, l'action a chuté en bourse. Quoi. Donc, 4 milliards. Ouais, ça fait combien de clean de chez McDonald's? J'ai l'article sous les yeux, exactement. Non, mais je te crois, une chute de 4 milliards de dollars, 3,29 milliards d'euros. Notamment pour être précis, en gros, la valeur de l'entreprise est passée de 242 milliards à 238, juste avec deux bouteilles de retirées. Donc, la force de Cristiano Ronaldo, CR7 plus fort que le Coca. Voilà, tout simplement. Et pour finir, est-ce qu'on se remettrait pas le dernier? On a le temps? On a 2 minutes. Bon, on a le temps, c'est toi qui sais combien de temps ça dure. Ouais, allez, rapidement, ça dure 1 minute. Et vas-y. Allez, est-ce qu'on se remettrait pas le troisième but du Portugal? 33 passes, c'est peut-être le nombre de passes record de ce taureau. Regardez. Tiki taka. Hein. Ouais, complet. Tout. Regardez bien. En plus, 100 fois 2, c'est pour tout. Toi, Xavier. Tout. Ça va quand même être long. On peut faire les bruits. Hein. Poum. Tout. Poum. 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 Tout. Poum. Tram. Tout. Tram. Tout. Hop, j'ai vu. Tout. Tout. Et là, on repasse. On passe vitesse réelle. Hop. Tac. Tout. Non, ça repart. Boum. Tout. Je vous rassure, c'est bientôt le but.
Tout. Non, en vrai, c'est en vrai, c'est beau ce qu'ils font. Et vous rigolez, mais on va les affronter. Hein. On rappelle 3-0 contre l'Hongrie. On est plus fort que l'Hongrois quand même, hein, je te rassure, Ted. Bah, ouais. On est plus fort que l'Hongrois. On a pas mis de buts, hein. Tout. Ah, oh, c'est tout comme. Tout. C'est tout comme. Quel enfer. Tu sais que c'est tellement frustrant ça, même dans Club Pro, quand le mec il lâche pas la balle. Et voilà, regardez, et surtout là, le sang-froid. Là, tu veux tirer et tu es lui à fin de frappe sur le goal. Ouais. Quoi. Voilà, magnifique. C'était sympa de se terminer avec ça. Quoi. Non, mais ouais, en vrai, c'est sympa l'Euro. En vrai, on a regardé un petit peu le match ici et tout. Il y a l'ambiance un petit peu. Ça, on revit un petit peu. En tout cas, c'est un mec qui aime le sport. Et puis il y a les JO qui arrivent là. Après, les JO, pas aux mêmes horaires. Non mais je veux dire, c'est plus facile de se mater un match de foot à 21h que des JO à 3h du mat. Oui. Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est la vérité. Mais après, t'inquiète, moi je suis hypé par les JO, juste que pour voir la finale de badminton qui sera à 4h30 du mat, ça va être quand même un peu plus dur de faire lever les gens que pour 1€, mais tranquille. On se rediff ça. Oui, t'inquiète. Bon, sur ce, merci d'avoir suivi ce grand récap. Ce grand récap, là, on n'est pas trop... Le grand vide. On occupe le terrain. Tout de suite, c'est le mobile avec Jiraya, notamment, JunPay et Max Hildan. C'est tout de suite dans même pas une minute. Merci de nous avoir suivis. À demain. Ciao, belle et belle. Ciao.